Hands on music. Allez, allez, c'est parti. Bienvenue à tous. Bienvenue sur MTP Boxing. Alors là, encore une fois, on continue dans la boxe amateur avec un invité, Mustapha Zaouche, un jeune boxeur du CSL Olney Box. Voilà, donc il est avec nous en coulisses là. Il s'impatiente. Hein. Je sais qu'il est prêt, qu'il est ready. Attention, c'est parti. Mustapha, comment vas-tu? Yo, salut tout le monde, ça va? Ah, c'est bien, tu vas ça bien? fait plaisir. Ça se passe? Ça va, t'as vu, on est là. Donc, ça va, bon, dis-moi, t'as eu le temps de te reposer déjà? Ouais, obligé. Bon, bah, c'est bien, impeccable. Parce que tu vas raconter après à tout le monde que, ouais, tu te lèves tôt. Quand tu m'as dit. Je me lève très tôt, ouais. Ah, j'avoue, ça pique. Pour aller travailler, ouais, bien sûr. Ouais, j'avoue, ça pique. Tu vas nous expliquer tout ça après là. Bon, je vais démarrer tout doucement là par alors, la présentation de notre Facebook. Donc on est en direct sur Facebook actuellement, on est en direct sur YouTube et on est en direct sur Instagram. Voilà, juste je précise juste que sur YouTube vous avez le chat pour pouvoir réagir sur le direct. Donc le chat s'affichera sur le direct. Mustapha pourra voir ça. Donc n'hésitez pas, les réactions sont les bienvenues. Ne clashez pas trop, hein. Ou clasher, hein, c'est vous qui voyez. Non, faut clasher. Faut clasher. Donc voilà. Donc voilà. Soyez au taquet. Je vais aussi parler d'Instagram de Mustapha. Donc voilà, Mustapha Olney. Bon, je fais la blague à chaque fois. Je suis putain, t'as plus d'abonnés que moi. Bon, tu me diras, c'est pas dur hein, vu ce que j'ai. Voilà, Mustapha Olney. Vous pouvez le suivre sur sa page Instagram. Et voilà quoi. Bon, on va commencer tout doucement à parler de toi, Mustapha. Hein? Bien sûr. Alors, déjà, juste en quelques chiffres, voilà, je montre Mustapha. Voilà. 75 kilos, 24 combats, 17 victoires, 6 défaites à nul. Alors, tu es champion Île-de-France senior, donc 2020, là, donc tu es champion en titre. C'est ça. Et j'ai mis aussi Île-de-France 2019 parce que tu es champion junior, c'est ça, je dis pas de bêtises? C'est ça, 69 voilà. kilos. Voilà, ah, ok, d'accord. Île-de-France 2019, c'est 69 kilos. Et Critérium des Espoirs 2020, c'est ça? C'est ça. Juste avant les Île-de-France. Ouais, 20 ans, 1m91. C'est ça. Bon, mais c'est très bien, c'est très bien. Bah écoute, la parole elle est à toi maintenant. T'as vu, bah déjà, ça y est, j'ai fait ma petite intro, sympa. Maintenant, il y a plein de gens qui, je pense, attendent de t'écouter parler, que tu nous racontes un peu ta story. Donc vas-y, la parole est à toi. On va commencer sûrement par parler de ton club. Vas-y, je te laisse y aller. À toi l'honneur. Bien sûr. Déjà pour commencer, moi, j'ai commencé la boxe. J'ai commencé par la boxe thaï à l'âge de 12 ans. D'accord. Je voulais faire un peu comme mon grand frère. Ah, t'as le grand frère qui faisait de la boxe thaï là? C'est ça, ouais. Il faisait de la boxe thaï, il était pas mal. Ça parlait beaucoup de lui. Et je voulais faire un peu pareil. Du coup, je suis parti m'inscrire aussi. J'ai commencé à boxer un peu. Mais bon, ça m'a pas trop plu. Il y avait les jambes, tout ça. Ça me faisait un peu. Je suis pas trop jambes, moi. Ça me fait un peu mal. Du coup, je me suis mis au full contact. Il n'y a pas de low kick au full contact. Les coups de tibia dans les tibias, là, il n'y a pas ça au full contact. C'est-à-dire, je me suis mis au full contact, mais j'ai fini par me blesser au pied. Ok. Ça veut dire que j'ai dû arrêter.
Ça m'a stoppé. Et pendant peut-être 6 mois après, je me suis mis un peu au foot en salle, juste histoire de reprendre un peu, reprendre un peu avec mon pied. Et après, j'ai vu qu'il y avait un club pas loin de chez moi. Je le connaissais déjà, je m'étais déjà entraîné quand j'étais petit, j'avais l'âge de 11 ans, 12 ans. Et je m'en rappelais encore. C'était toujours un petit. Du coup, je suis parti, je me suis inscrit le premier jour, ça m'a plu. Et C'était voilà, c'est quoi parti de là. le club? CSL Aulnay Box. Ah, c'est celui où tu es ouais, donc ah ouais, C'est ça, c'est ça, tu les as voilà. découverts jeunes. Voilà, c'est ça, on est fidèles. Tu les as On bouge pas, depuis découverts. toujours. Oh, ben voilà, ça c'est leur page Facebook, hein. Vous pouvez aller faire un C'est tour ça. dessus. Alors tu vois, il n'y a pas marqué Aulnay dessus. Il y a marqué CSL, boxe anglaise, Team CSL Box. Chalabi, Lalaoui. Et là, là, oui. Bon, il n'y en a pas deux, des Chalabi et là, là, oui. Ah, vas-y, explique-nous là. Bah, Alim, déjà, et Nasser, déjà, c'est mes coachs, pour commencer, ceux qui m'ont formé depuis le début. Après, il y avait d'autres coachs aussi qui venaient avec, Mohamed Amlat, Jack, qui venaient aussi donner un coup de main. Mais Alim et Nasser, ceux qui m'ont, on va dire, donné envie de rester dans le sport. D'accord. Depuis que je suis arrivé, ils m'ont donné la force, ils m'ont motivé. Ça veut dire que ça m'a donné plus envie de m'entraîner. Je me suis entraîné au début pendant peut-être 7 mois, 8 mois. Nasser, il m'a proposé de faire des combats. J'étais très content. Du coup, je me suis entraîné. Au bout de 10 mois, j'ai fait mon premier combat. J'avais fait mon premier combat amateur. Une défaite, bien sûr. Toi, t'as démarré par une défaite? Bon, en Ah, même temps, j'y ai goûté directement, moi. hein. Direct. Direct. C'est le combat qu'on voit là, c'est l'image qu'on voit. C'est ça, voilà, c'est ça. Et genre quoi, ça t'a On marqué? voit. Ça t'a marqué? Tu te rappelles Ah de ouais. tout Ah ah, ouais, je me rappelle alors, vraiment très très bien. tu te rappelles du nom de la personne là, du boxeur? Il L'adversaire? s'appelle Théo. Bien sûr que je me Théo? rappelle. Ah ouais. Je t'oublie pas, Théo. Je t'oublie pas, Théo. Mais juste, tu l'as revu à Théo ou pas? Je veux dire, c'est un Non, je l'ai ring. plus jamais revu, là. Ah, tu as plus jamais revu là. Ah, Non, je l'ai peut-être. plus revu, Ah, bah, tu sais quoi, vas-y, on prend rendez-vous, vas-y, on fait là. on fait la revanche. C'était il y a combien de temps ça? C'était il y a mon premier combat, c'était il y a 3 ans. C'était il y a 3 ans. Eh, mais mine de rien, C'était il y en a fait, 3 ans. ouais, t'as. Attends, parce que, attends, à quel âge t'as découvert le CSL Only là? C'était il y a 4 ans. J'avais 15 ans. D'accord, ok. Ah ouais, donc, ouais, tu t'y 15 ans, mis. ouais, c'est ça, 15 ans. 15 ans, Donc. 16 ans, j'avais. Donc il y a 3 ans, t'as démarré la compète. C'est ça. Boum, J'ai défaite. commencé pas. C'était Critérium des Espoirs, ça, junior. Ok, défaite directe. Tu t'es dit... Une défaite, ouais. Tranquille. C'est Avant bien, de c'est bien. goûter la victoire, Bah, tu sais je me quoi, suis dit, allez, après, je vais faire match nul. au moins, ça fait que de la pro. Tu peux que progresser, quoi, tu C'est ça. vois. Ah, j'étais. Bah, J'étais bien dégoûté. plus sérieusement, tu peux nous raconter un peu le premier combat, ça... Quoi, comment tu l'as vécu, je sais pas... Premier combat, j'ai boxé à 64 kilos. C'était déjà stressé, comme pas possible. Ouais. Je suis arrivé sur le ring et moi je pensais 64 kilos, tu vois, c'était léger et tout. Je me suis dit, ah, bah, ça va, facile. Je me voyais, j'étais bon à la salle. Je me suis dit, ah, bah, ça va être pareil un peu sur le ring. Mais quand je suis monté sur le ring, c'était pas pareil, hein, c'est un autre monde. Ouais. Le mec, il est pas là pour jouer. Il était là pour me tuer. Mais bon, ça va, c'était un match équilibré, hein, c'était assez équilibré. D'accord. Mais il mérite sa victoire. Il mérite sa victoire. Ouais. Et après, j'ai reboxé 3 mois plus tard. J'ai boxé à Drancy Ouais. contre Issam, un ami à moi. C'est pas ce combat, mais ça, c'était après. Ça, c'était après ça? Ouais, ça, c'était juste après. Mais ça, c'était contre. J'ai oublié comment il s'appelle lui. Mais je m'en rappelle d'eux. J'avais gagné par abandon au premier round. Ce combat. Ce combat, je me sentais confiant. J'étais bien entraîné. J'étais sûr de moi. Avec Nasser là dans le coin et Jacques. Toujours là pour me soutenir, bien sûr. Alors ce combat, C'était un beau coup. ça a donné quoi ce combat après? Je gagnais à abandon au premier round. D'accord, ok. Moi, j'étais pas. Tu C'était étais les pas? débuts. Bah, c'était les débuts. Tu étais Ouais, pas. c'est au bout d'une minute, je pense.
D'accord. Ouais, bah on voit quand même là, tu. C'était les Ouais, ça va, débuts, mais voilà, j'avais. tu proposes quand même déjà des choses. Ouais, j'essayais. Ouais. J'essayais, je savais me battre, quoi. Me débrouillais pas mal. Là, c'était quoi ton poids, tu as dit là? Là, c'était à 65, celui-là, je pense. D'accord, ok. Moi, j'étais grand, hein, pour quelqu'un de 65 kilos. Ouais, 1,80 m, 65 C'est dur à kilos, faire le poids. ouais. Ouais. Bah, la semaine juste avant ça, j'avais boxé à 69. Ah bon? J'ai boxé à 69 à Drancy quand j'ai fait match nul, oui. Bah, après celui-là, j'ai boxé qu'à 69. Et je suis monté à 75 là pour ma première année senior. D'accord, ok. Là, je faisais un peu mon médaille. Bon, alors, on voit quand même qu'il a du mal un peu, là, ton adversaire. Hein. C'est, Ouais. tu le touches quand même beaucoup plus, ouais. Ouais, t'as vu, hein, ouais, quand Après, c'est même, ici hein. que ça se. Les petits mouvements, là, la petite danse, là, t'es là, ouais, comme tu dis, c'est. Le papillon, quoi, la technique, le papillon. Ah voilà, vole comme un papillon et comme l'abeille. Ouais, du coup, alors, ce match, il se finit par. Il se finit par un Il se abandon, finit je ici crois, c'est quoi. ça? Ah Ouais, c'est ouais, ils vont vrai. jeter l'éponge après, c'est bon. Ouais, on voit ça, ouais. Tu sais que t'enchaînes quand même les coups. C'est marrant ça, c'est-à-dire que en fait, c'est quoi? C'est le coach adverse là, quoi, là, il estime que Ouais, c'est le coach qui jette l'éponge c'est là. trop dangereux pour son. Il estime que c'est trop dangereux pour son boxeur. Tu vois ça comment toi? Bah, je Parce pense qu'il que fait tu vois, plusieurs vues son boxeur. y a pas de KO non plus, y a pas de. C'est vrai que tu le touches beaucoup, Oui. mais. Ok. Après, il prenait beaucoup de coups. Il avait pas C'est. une très très bonne garde. D'accord, Il ok, prenait beaucoup de coups et je pense que c'est un bon choix. Vaut mieux arrêter en avance que trop tard. ok. Bah écoute, tu me dis, hein, j'ai d'autres choses, tu veux que je les envoie là? Non, bien sûr. Vas-y, raconte-nous. Ça, c'était le gala à Aulnay, au Cap. Ça, c'était en le 28 juin, si je me rappelle bien. Le 29 juin, le 28, le 29 juin exactement. C'est le 29 juin 2019, si je me rappelle bien. J'avais gagné par KO aussi au premier round. Je l'avais touché en bas. Il D'accord. s'est fait compter deux fois et l'arbitre, il a arrêté. Mais c'était un beau combat, ça, aussi. Au bout d'une minute trente, je pense. Alors c'est C'était un comment beau là? combat. C'est Il y a une bonne soirée. t'es à combien là au niveau du poids là? C'est quoi? C'est toujours 65? Non, on dirait que c'est. Non, là, j'étais à 72. Ouais, 72, là, ouais, c'est ce 500. que j'allais dire. T'es plus robuste que match précédent. Ouais, c'est ça. Là, j'étais un peu plus lourd. Là, je commence. C'est mon premier combat à 75. D'accord. C'était en junior. C'est le dernier en junior, celui-là. C'était juste avant les critériums des espoirs. Bon, je vois que C'était en été, ça. ça s'active un peu sur le chat là. On fera un Ouais, tour, enfin on va faire un tour sur le chat juste après là ouais. Ouais, bien sûr. pour dire. Après, le ring, il était très petit, hein, au cap. Ouais, c'est ce que j'allais C'est-à-dire, dire. j'étais Ouais, obligé de. Ouais, il a l'air. c'était un tout petit ring. Bah ouais. C'est-à-dire qu'on est obligé d'accepter. Ouais. D'accepter la guerre, quoi. Ouais, tu peux pas trop Bah, après, moi, j'aime bien ça, moi. te cacher, ouais. J'aime bien quand ça va au contact. Ouais. Alors je sais pas quand est-ce qu'il arrive là le KO là. Il va arriver ou pas? C'est toi qui sais hein. Normalement. Ouais, normalement. Ouais, ça va être après ça, là. Normalement, je le touche au corps, là. Juste ici, ouais, c'est ici, ouais. Je le touche au corps, là. Oh, voilà, c'est là. Ouais, on sent. Ah, j'étais bien content. Après, je le retouche une deuxième fois, là, directement. Et après, l'arbitre, il arrête. Mais de toute façon, son entraîneur aussi, il allait jeter l'éponge. C'est-à-dire que l'arbitre, il a bien fait son boulot, quoi. Voilà, ça va être juste là, je vais repartir chercher au corps, boum. Ouais, là ça y est, ouais, il est fini, ouais. Non, ouais, là, c'est fini après. Trop dur, Mustapha, avec tes adversaires. Trop dur, c'est pas gentil ça. Non, C'est pas gentil. c'est les seuls. C'est les seuls? C'est les seuls, ouais. C'est vrai, t'as pas J'ai gagné fait. deux fois avant la limite. Ah ouais? Non, D'accord, ok. je Tu vas au gagne que bout, deux fois toi. avant la limite. D'accord, ok. Ok, ouais, je te voyais plus dur que ça, tu vois. J'avais pas encore ce petit. Mais ça va arriver, ça va arriver. Ça va arriver, ça va arriver. Tiens, allez, faisons un petit tour
Sur le chat là, tu vois, ça commence déjà. Bon, on a raté quelques petits messages au-dessus. Ouais, voilà, je sais pas si t'arrives à lire un peu les noms. Les noms sont peut-être un peu petits, mais voilà. Attends, qui c'est, qui Oh. c'est? Alors, qui est ta référence? À la fin, il y a Najet qui demande qui est ta référence dans la boxe française ou mondiale. Attends, attends, on va aller doucement. Attends, je crois qu'il y a ta main qui est passée devant. On a perdu ta caméra là. J'essaie de m'appeler. Ah ouais, ah ouais. Bon, bah écoutez, hein, les spectateurs, voilà. Bon, Mustapha, je lui avais dit de pas passer sa main devant la caméra. Elle m'a pas écouté. Ouais, on va parler de ta référence, on va parler de ses références après. On va parler de ses références sur la fin. En tout cas, ça fait Bien plaisir sûr. là. Il y a du monde sur le chat là, tu vois. C'est ouais, Ah ouais, je vois ça. ça fait plaisir, ça lui fait plaisir. Afid est présent, Afid est toujours là. Afid, salut les amis, salut Bonjour. Afid. Ouais, non, il y a du people, il y a du people. Ok, d'accord. Bah du coup, ça c'était le gala de Olney. Alors il y a ça. Ça, c'était les Critérium Espoir. Celui-là, j'avoue qu'il est C'était rapide. les. Ouais, c'était une petite scène. Bam, c'est vrai que tu le touches. Ah ouais, mon ami, là, tu touches vraiment bien. Ouais, je le touche net là. Donc celui-là, tu me l'as envoyé, ça te faisait plaisir de me l'envoyer, hein, la petite touche Ah ouais, nette, ça c'est me faisait ça? plaisir. Ouais, tu voulais le montrer, tu voulais le montrer. Du C'est coup, ça. c'était quoi ça? Vas-y, explique-nous. Ça, c'était les quarts de finale des Critérium Espoir. Ouais. Et c'était contre un gars de Levallois. D'accord. Qui frappe très dur d'ailleurs. Il frappe très 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 fort. Mais il fait mal, mais bon, Apparemment, t'as rien senti, ouais. de. Il t'a fait mal, il t'a fait mal, si tu dis ça. Ouais, mais rien de plus. Quoi. T'as Dans les encaissé, mains. t'étais. Ah, Ouais, voilà. Après les ok. coups, c'était dans les gants. Ouais. Ça me faisait Ouais. mal, alors genre, heureusement que je les ai pas pris. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Si t'avais mal, si ça te faisait mal aux gants, ouais, j'imagine. Je te jure. Alors après, tu m'as envoyé ça. C'est ça. Ça, c'est la. C'est après la finale, ça. Ok, là je reconnais Après la Pouché, finale hein. des. Je reconnais Ah, bah Pouché oui. direct, hein. Oh là là. Pouché, ça nous manque là. Quoi, ça doit Oui, je te manquer jure. à. J'imagine qu'il y a plein de boxeurs amateurs et du coup, on les salue à tous ces jeunes boxeurs là que j'ai rencontrés à Pouché. Ouais, ça doit tous vous manquer là. Ah oui. C'est vrai que là, c'est Ça un fait peu longtemps. difficile, hein. Tout est fermé. Bon, je vois que t'as la petite coupe là quand même, ça s'est bien passé. C'est très bien passé même. J'ai gagné les 8, non, les demi-finales. J'ai gagné, j'avais pas fait les huitièmes. J'ai fait quart de, j'ai fait trois combats. D'accord. C'était très très bien. J'ai combat net. Pas de vol. Pas de vol, t'as dit. Ouais, bah ça coupe un peu. Ok, pas de vol, t'as dit. Attention, hein, on va pas s'embrouiller avec les arbitres de Pouchy, hein. Fais gaffe, Ah, hein. Fais moi j'aime gaffe, bien les Moustapha. arbitres. Bon, c'est bien, c'est important, c'est important. J'ai rien contre aucun arbitre. J'aime l'arbitre. Et même tous, j'espère. Ah bah écoute, on verra après sur la. Ouais, ils t'aiment tous, mais bien sûr, c'est obligé, comme tous les boxeurs. Mais c'est vrai que des fois, c'est vrai que c'est pas évident quand il y a un arbitrage et que toi t'es à la limite de gagner ou que l'autre il est à la limite de gagner, bah tu sais, bah y a toujours un camp qui est pas content, hein, Ah, j'imagine, c'est hein. ça. Ah, j'imagine, ça doit pas être Ça évident, quoi. arrive. Pas facile. Comme j'avais dit, hein. Allez, je t'envoie la Toujours suite un camp là. qui est pas content. Il y a Ouais, bien toujours un sûr. camp qui est pas content. Ouais, tu le dis ça à la fin. On verra ça. Allez, je t'envoie la suite. Cardinal. Alors, on va pas parler sur ça parce que t'as un petit rappeur carrément, quoi. Un petit rappeur. T'as un rappeur qui te fait une petite Ça. dédicace. Écoutons-le. Mustapha Zaouche. Sale, sale dans vos oreilles sales. Alors lavez-vous bien les oreilles, bande d'enfoirés. Et maintenant, Ah, j'ai pas pu censurer, c'est pas grave. ah, c'est pas grave. Y a des questions. Alors, penses-tu aller aux Jeux Olympiques? Argenté et mon dos, solide comme un char d'assaut. Normal Sûr. que je monte à l'assaut, comme Attends, je un vais te dire après bûcheron pour le d'un chat. feu. Argenté et mon dos, solide Alors, ça, comme un c'est char quoi, ça, d'assaut. comme. Normal que je monte à Donc, c'est l'assaut, les. comme Là, un bah, c'est marqué. bûcheron d'un C'est les quarts de finale feu. en C'est ça, Île-de-France. aux Îles-de-France, c'est ça. Et alors, ça s'est passé comment là? Bah, je gagne le combat, net. Aussi. Mais pourtant, je gagne décision partagée. Ce boxeur là, tu le connaissais?
Ouais, je le connaissais. Ouais, Scylla, ouais, tu le connaissais, ouais. Ouais, je le connaissais. D'accord, ok, ouais. Alors juste avant que tu nous développes juste sur ce combat, juste petite dédicace petite dédicace à ton. Alors vas-y, dis-nous vite fait, c'est qui? C'est quelqu'un que tu connais? C'est En fait, Blason Boumaïev, c'est un boxeur. Et, il a aussi est venu à Aulnay un jour mettre les gants. Et j'ai eu D'accord. l'occasion de. Après, il a beaucoup aimé tout ça. Et après, on s'est échangé nos Instagram. D'accord. Doucement, doucement au rap. Et aujourd'hui, il m'a fait sa petite dédicace. À mon tour de lui D'accord. en faire une. D'accord. Bon, bah écoute, ça va lui faire plaisir, j'imagine, j'espère là. Donc, Bien ok, c'est sûr. cool. Bon, ben voilà, la dédicace est faite. Ouais, des fois ça coupe, hein, des fois ça coupe. Alors, j'espère que ton réseau va pas lâcher, hein, sinon il y en a plein qui vont être vénères Non, là non, parce t'inquiète que. pas. Ouais, Non. bah des fois ça frise un peu. Alors, le chat, parce que ça s'agite sur le chat. Alors, toi tu vois pas tout, Je moi je vois un sais. peu tout, mais je vois quelques. Bah tu vois, bah, encore Najat, penses-tu aller aux Jeux Olympiques? Bien sûr, c'est un rêve. Et je le réaliserai. Bah écoute, et du coup le rendez-vous c'est quoi? C'est quoi là? C'est quoi l'échéance du coup pour toi? Bah déjà, faut être champion d'Île-de-France. Faut que je confirme mon titre, déjà. Tout d'abord. Alors, Parce que je sans ça, ouais. il n'y a pas de... il n'y a pas de vraie confirmation. Après, faut être champion de France. J'y crois. Et ensuite, gagner tous les tournois qu'on propose, hein. Ouais. Ouais, donc en fin de compte, Qui sait, voilà. ok, Jeux Olympiques, hein. J'aimerais bien, dans 3 ans. Mustapha Zaouche, Jeux Olympiques dans 3 ans. Eh, le rendez-vous est pris, hein. Hein? Donc, Eh oui. va falloir le. Hein? Prenez vos places. Ouais, prenez vos places, quoi. Et toi, doucement sur les beignets, hein, sinon tu n'iras pas. Hein, on est d'accord. Non, On t'inquiète pas. en parlera à la fin. Attention. Les gens vont comprendre à la fin. Bon, c'est dommage parce que là, le chat défile, du coup, il y a les trucs qui disparaissent vers le haut. Mais là, j'ai un. Oui. Attends, bouge pas, bouge pas. Où est-ce qu'il est le message que j'ai vu là? Ah ouais, de Yaya et Abdel. Penses-tu un jour acheter des AirPods? Ouais, genre Pas ça, pas ça. apparemment tu fais mal au cœur avec tes écouteurs. Bah c'est Yaya et Abdel, je sais pas si tu connais, mais tu leur dis, tu leur Ouais, donnes bah ta c'est date. mon grand frère, c'est mon grand frère. Ah ben voilà, tu donnes ta date, Ah mais il ouais? connaît ta date d'anniversaire, hein, hey, frérot. Mais c'était avant-hier. Ah, c'est avant-hier? Bien sûr. Ah ouais, en plus Qu'est-ce tu que je m'as. fais avec Ouais. des écouteurs encore? Ah ouais, non, mais c'est clair, hey, frérot là, je sais pas, bon. Bah j'espère que t'as été gâté, j'espère que t'as été gâté. Oui, j'ai bien été gâté, ouais. Ouais, bon, ça va. Ils m'ont fait une petite surprise à la salle aussi. Ah bah ça va, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est bien, Merci. c'est bien. Bon bah t'as vu les petits messages, fierté d'Aulnay et tout, etc. Bon bah ça va, c'est cool. Bien sûr. Ouais, c'est cool. Ouais, en fin de compte, ouais, le chat il est super actif cette fois-ci là. C'est bien, je sais pas, Ah bah oui. t'as menacé tout le monde ou quoi? Comment ça se passe? Truc de ouf quoi. Même moi je m'attendais pas là, y a trop de messages les gars, calmez-vous. Non, on continue à regarder de temps en temps, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Moi je vais essayer de lire de Bien temps en sûr. temps. Allez, Posez hop. toutes vos questions. Posez toutes vos questions, il n'y a pas de souci. Ouais, alors du coup, la suite pour nous. Hop. Bien sûr. Vas-y, je te Bah ça, laisse. c'était après. Ouais. Ça, c'était après la victoire après Kajali, quoi. C'était au quart de finale. D'accord. La joie. Il n'y a que ça à dire. J'étais Y a que ça. content. T'étais heureux quoi. Ah oui. Ah oui. Je m'attendais à une victoire et je l'ai eue. Ouais, c'est pas J'y mal ça. croyais. C'est pas mal, c'est pas mal. On enchaîne directement avec celui-là. Bien Allez. sûr, ça c'est contre Thierry. On est toujours à pousser, ouais. C'est contre Thierry. Très bon boxeur d'ailleurs. Comment ça s'est passé là? Je vois que c'est quand même un peu ouais, très bon boxeur, hein. C'est un peu Ouais, dur. c'était serré, On oui. sent qu'il Il touche et était en tout. finale des championnats de France, oui. Ouais, super agile. Il a été en finale des championnats de France? C'est ça, oui. D'accord. C'est quoi l'issue de ce combat là? J'ai une victoire au point, j'ai gagné. Ah, victoire au point, d'accord. On s'est boxé 2 fois. Ouais, et alors, ça donnait quoi? Une fois, parce qu'il a été repêché pour les championnats de France. D'accord. Il me bat au point. J'aimerais bien une troisième. D'accord. Pour égaliser. Enfin. Ah,
enlever l'égalisation, quoi. Ouais, justement, prendre l'avantage, ouais. C'est ça. Peut-être lui aussi, hein, il t'attend, hein, il s'entraîne, hein, Ah bah oui. ça se trouve, il est là, il t'écoute, il dit, ah ouais, ok, Non, d'accord. non, il s'entraîne, il s'entraîne, il Il s'entraîne. s'entraîne, hein. Mais c'était un beau combat. Alors, comment ça se passe, là, au niveau du combat, là? Comment tu analyses tes points forts pour toi, là? Comment tu fais pour faire la différence, on va dire? Bah, j'ai beaucoup bougé. C'est ça qui a fait la différence. J'ai un bon coup d'œil. Ouais. Je prenais pas beaucoup de coups. J'esquivais bien les coups. Et je mettais des touches nettes. C'est ça qui a C'est fait ça la qui est. différence, quoi. D'accord. Bon, tu gagnes au point, donc c'est quoi? Ça veut dire que c'est assez juste, quoi. Ça va, ça s'est joué un peu, quoi. Ça s'est joué un peu, ouais. Mais une victoire méritée quand même. D'accord. Je reviens de temps en temps sur le chat parce que là, je vois que ça s'agite. Penses-tu pouvoir faire les 64 kilos, donc les moins de 64 kilos. Les moins de 65, quoi. Ah, si vous me coupez les jambes. Ah ouais, carrément. Ouais, parce que là, c'est quoi? Maintenant, ça y est, t'es sur moins Je suis à 75. 75. Ouais, donc là, Ouais. ça ferait un trop gros écart pour toi. Ouais, ça sert à rien. Tout ce qui est 64, 69, ça sert à rien. Ah, je te dis, Même ouais, monter plus, ça me. Ah, il y en a, ils sont trop forts là. Je sais pas, tu connais Ahmed Badel Kandoussi là. Est-ce que tu prévois faire un combat contre le Covid? Ce serait pas mal ça. On va déguiser un boxeur en Covid et je pense que là, on va tous être avec toi. Tu vas tous les. Tu vas tous nous venger là. Je te jure, j'aimerais bien boxer le Covid, mais je le battrai. Je le mettrai KO. Je te laisse finir de lire un peu. Bon, mais voilà, ok, allez, vas-y, on va reprendre. Bon, en tout cas, les petits messages sont bien sympas. Bah oui. Ces petits messages sont bien sympas. Ouais, alors, si je dis pas de bêtises, là. On est d'accord, là, Ça, c'était la finale. je suis bien dans l'ordre ou pas, là? Ouais. Ouais, juste Ouais, après, ça, ok, c'est la d'accord. finale. Alors moi, je vais juste dire, alors voilà, Mehdi Fayed, bon, bah alors déjà, je vois US Melin, Mehdi Fayed, que j'ai croisé quand même de temps en temps, mais je vois US Melin, donc je peux pas m'empêcher de faire une dédicace à la team Chaudron. Bien sûr. Ouais, tu connais un peu là, ouais, c'est leur petit, Ouais, bien sûr. ouais, leur petit groupe là, avec le coach Assad, Fafa El Cocho aussi. C'est ça. Et après les quoi j'allais dire les petits gars ils ont grandi et voilà mais Bilal Majid et ouais, j'en C'est oublie ça. aussi d'autres voilà ouais bah, j'espère les voir aussi un jour sur l'émission ouais alors dis-moi ah ouais Mehdi Fayed mine de rien alors c'est le tenant du titre à ce moment-là hein. C'est ça, C'est ouais, c'est ça ça. allez vas-y je te C'est laisse lui qui a été champion du. t'analyseras mieux que moi mais c'est vrai que franchement waouh c'était le combat il était pas mal hein. Ah bah oui, hein. Ça s'est donné des parpaings. Ah oui, ça s'est pas fait de cadeau. Alors attends, bouge pas parce qu'il y a Je suis pas l'interview. très content au niveau de la On va décision, écouter ce mais que je t'as dois vous dit. dire, c'est normal, à toute fin de combat, il y a un public qui est pas content. Ça aurait été pareil pour mon public si on avait perdu. voilà, j'avais gardé la dernière phrase parce que voilà, ça aurait été pareil pour mon public si on avait perdu. C'est exactement, là, c'est ça. C'est ça que j'avais dit tout à l'heure. Ouais. C'était un Ouais. combat très, 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 très dur. C'est vrai? Mehdi Fayed, il a une boxe qui dérègle. Ouais. Il met des coups qui vont de n'importe où, n'importe où. Il met des... n'importe comment. Ils vont partout, les coups. Ils sont très puissants, les coups aussi. Ça a l'air pas dans les vidéos, mais les coups sont très, très puissants. Bah après, j'ai levé les mains et j'ai laissé le cœur faire, hein. Ah mais c'est vrai que c'était un combat qui était engagé. Bah après oui, on a entendu à la fin sur la décision. Eh ben ouais, il y en a qui étaient pour Mehdi, il y en a qui étaient pour Bah toi. oui, bien Donc sûr. ouais, c'est C'est comme j'ai dit, hein. Comme j'avais dit, toute fin de combat, il y a un public qui est pas content. toujours, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ok, ouais, non, mais c'est bien. Bah alors du coup, attends, j'ai pas vu. C'était quoi là? On était à quel niveau? C'était Ça, c'était les finales. ah ouais, c'était la finale. D'accord, C'était la ok. finale, ouais. Bon, mais là, c'est-à-dire que tu deviens champion d'Île-de-France. C'est ça. Et ça faisait combien de temps que tu t'étais engagé? Ça faisait combien de temps que tu faisais de la boxe à partir de ce moment-là? En compétition? 2 ans. 2 ans.
Ouais. C'est bien, j'ai envie de dire non, c'est pas Ça mal, faisait non? 2 ans que j'avais commencé dans les compétitions. Ouais. Deux ans. C'est. Non. Ouais, 2 ans. 2 ans, 3 ans, je sais même plus. Mais pas C'est. beaucoup, en tout cas 2 ans et demi, on va dire. Bah, c'est plutôt pas mal, non? C'est quoi, je sais pas, Ah bah ça oui. m'a l'air. Ouais. Ah bah oui. C'est le travail. C'est le travail. C'est genre, Ah c'est bah oui. pas. Ouais, voilà, quoi, ça s'est pas fait comme ça. Toutes les fois que la salle elle est ouverte, j'y suis. Hein. Ouais. Ouais, ça s'est pas fait comme Même quand ça, il n'y a c'est. pas d'entraînement, j'y suis. Ça, c'est bon, ça. Ah bah oui. Ça, c'est bon. Au bout de 2 ans, je sais pas. Alors, j'imagine que tes coachs. C'est les deux mêmes coachs qui te suivaient? Ouais, Nasser et Alim, toujours. D'accord, ok. D'accord, ok. Et Jack et Mohamed Hamad aussi. du coup, comment ça s'est passé? T'as fêté la victoire, parce que voilà, Bien sûr. là tu sors avec un titre. Et Mon dis-nous père, en il a fin fait de un compte, gros pas chez moi. ah bah voilà, parce que tu Ah vois, bah oui. c'est quand même une grosse victoire, ouais, j'imagine. Ouais. Bien sûr. Il a invité tout le monde, toute la salle. Ouais. La famille, on a bien mangé, on a rigolé, on a fêté ça. Ça, c'est du bien. Et à partir de là, j'imagine, je vais balancer le chat en même temps parce qu'il se passe des choses. Et à partir de là, comment tu envisages la suite? Parce que là, tu es champion d'Île-de-France. Donc, j'imagine C'est ça. que, voilà, vous envisagez des choses après. Déjà, je voulais être champion de France. Ouais. Malheureusement, mais l'année prochaine, eh bien, mon... ça va revenir vite. D'accord, ok. Alors attends, moi j'ai entendu ça a coupé un peu. Je sais pas si ça a coupé pour tout le monde. Ça a coupé un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Après les championnats d'Île-de-France là que t'as gagné, t'as fait les championnats de France? Au championnat de France, ça, j'ai commencé. J'ai boxé un gars du sud, Ouais. sans difficulté, D'accord. c'était pas un combat très très dur. Ensuite, j'ai boxé Thierry, Thierry. c'est celui que j'ai battu au demi des Îles-de-France. D'accord, ok. Ça veut dire que j'aime pas trop les revanches, moi déjà. Pas trop, je me suis pas trop bien senti ce combat. Mais bon, excuse quoi. C'est comme ça. Après, Apparemment, tu t'entraînes très 28 heures aimé sur le tu t'entraînes 28 heures sur 24, avec apparemment. Je savais pas que c'était possible, mais bon, on comprend l'idée, moi. Ah, c'est la famille. Tu vois, j'ai Ah, dit c'est la famille, Mohamed, ça, ils savent, ils savent. c'est la famille. C'est Il va obligé de jamais faire à la des maison. compliments. Il va jamais à la maison. Il va jamais à la maison. Non, mais hey, tu sais quoi à propos de ça? C'est que ça m'a fait rire la première fois que je t'avais contacté. Je sais pas ce que tu m'avais dit. Ouais, je crois qu'on devait s'appeler. Genre, ouais, je t'avais dit, ouais, je t'appelle vers 21 h, un truc comme ça. Tu m'as dit non, non, c'est trop tard. Je sais pas quoi. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il me raconte? Ouais, non, non, en fait, tu dors déjà, quoi. Tu dors Ah déjà à oui, je dors très 21 h, très quoi. tôt. Bon, on racontera après à la fin à tout le Ouais, bien monde sûr. pourquoi tu dors. Alors ils disent que t'es le meilleur. Ah, Svenjman, ta connexion est nulle. Alors, tu sais quoi? S'ils disent que ta connexion est nulle, c'est que si moi, ils continuent à bien me voir, c'est que c'est toi. Hein. Ah Non, c'est oui? pas. À la deuxième erreur. Ah, tu sais que t'es le seul? Depuis que je fais les émissions, t'es le seul à passer ta main devant la caméra et on perd ton visage. Sérieux? Hein. Ah, t'es le seul. Hein. T'es peut-être bon sur le ring. Ouais, je vois. Ah oui, mais avec ce qui est électronique. Ah, t'es peut-être bon sur le ring, mais range tes mains. Non, non, t'inquiète. Bon, en tout cas, J'ai l'espace, ouais. t'as vachement d'encouragement, t'as vu, ça fait Bien plaisir, quoi. sûr. Vachement de gens qui te suivent Ça là, fait très très plaisir. et c'est super bien, ouais. Alors, du coup, je vais enchaîner avec une autre image que tu m'as envoyée. Donc, bah, en fin de compte, j'imagine que c'est la Voilà. suite. Donc là, c'est tout le monde, C'est l'euphorie. photo de famille. C'est une photo de famille, ouais. C'est ça, tout le club réuni. Ok. Eh, ça se trouve, à la maison, il y a tout le monde qui est en train de pomper Internet. Du coup, il te reste plus rien pour toi, là. Donc, je sais pas. C'est sûr, ça doit être mon petit frère, ça. Non, mais c'est pas grave. Bébé. On menace pas la famille. Eh. Ah ouais, coupe ta connexion. Tu sais que j'ai dit avant de démarrer, j'oublie de te dire, avant de démarrer l'émission, j'ai dit à tout le monde, passez en 4G, laissez-moi le wifi s'il vous plaît. Donc, non, non, mais bon, ça va, de temps en temps ça freeze, mais je pense que ça va. Puis ça c'est bon, ça va faire J'espère, rig. tant que vous m'entendez. Ouais, on t'entend, ça va, on t'entend.
on t'entend. Ouais, du coup, important. ça c'est la victoire C'est ça. qui clôture les Îles-de-France, c'est ça? Exactement. On voit tes deux coachs et puis après on voit toute la Smala, hein, et la famille et tout, j'imagine, hein. Ah ouais, il y avait tout le monde. Ouais, il y avait tout le monde là. Donc là, ça c'est quoi? Ça c'est une page qui se tourne. C'est ça. On va dire que c'est mission accomplie parce que j'imagine que Exactement. Parce que c'est bien que tu racontes aussi un peu à tout le monde parce que là tu gagnes, c'est bien, c'est cool. Bon, bah, t'enchaînes les Bien combats, mais sûr. sauf que en fait c'est pas genre tu montes et qu'il y a une prépa avant. Oui, bien J'imagine sûr. que plusieurs mois avant tu fais ce qu'il faut. Plusieurs années même. Ah! Plusieurs années, mais dis, les gens qui te connaissent ou et quoi que même les gens qui connaissent, ça se trouve, ils savent pas à quel point tu te prépares pour des Îles-de-France. Allez, dis-nous vite fait quand même. Pour les Îles-de-France, déjà même quand il n'y a pas de combat, hein, je m'entraîne tous les jours. Alors Je tous les m'entraîne très jours. dur, hein, vraiment. Alors précise, parce que moi quand on me dit tous les jours, je comprends pas. Je dis quoi, genre tous les jours? Tous les jours, tous les jours? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Après les Ah. week-ends, ça dépend, je fais des petits footings. Après, pour les Îles-de-France, j'ai pas pu en faire, j'étais blessé à la jambe. Ouais. C'est pour ça que j'avais pas de cardio, hein, bien sûr, aux Îles-de-France. Ouais. Donc, ouais, oui, bah ouais, tu m'étonnes, ouais, tu m'étonnes. Après, on s'entraîne deux fois par jour aussi. D'accord. Les coachs qui sont toujours là. N'importe quand. On peut venir le matin, 15h, le soir, ils sont toujours là, ils sont à la salle. Ils sont prêts à nous accueillir Donc et à nous faire évoluer, bien sûr. avant les Îles-de-France, comment ça se passe? Quoi, j'allais dire, t'as un problème de poids. Parce qu'on sait que les boxeurs, bah, après, tu vois, Ouais. y a une variation de poids. Toi, comment ça se passe? Oui, je connais. Moi, j'ai pas de problème de poids, non. 75 tout le temps. On va pas dire problème de poids parce qu'il y en a qui vont se vexer si tu commences à dire arrête, j'ai pas dit Ah, pas de si, ils problème. ont un problème de poids, si. Non, 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 mais tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est apparemment. Voilà, toi, en fait, tu restes quasiment tout le temps à ton poids. Ça bouge pas. Tout le temps, ouais. Je Ouais, dépasse ok. pas 77. Ok. C'est très rare. Très, très rare. Même pendant le confinement, je suis descendu à 73, hein. Ah, t'as Hichem qui dit le petit Milou laisse la connexion pour. Pour Lulmi. Ah ouais, c'est qui Lulmi, c'est? petite dédicace à Lulmi aussi. Laisse la connexion, t'as dit. Ok, bah je sais pas si t'arrives à lire un peu les messages, je te laisse Ouais, j'arrive à lire. si t'as envie de réagir. Bien sûr. Ok, Même si bah, tu perds, on est fiers. Merci, ça ça fait plaisir. fait plaisir, mais on préfère gagner. Dis-lui quand même, mais on préfère gagner. On préfère gagner, ouais, bien sûr. Ils Merci sont encore Alexis. plus fiers. Ah ouais, arrivé au club à 13-14 ans. Hein. Ouais, je suis arrivé Eh, jeune. pur produit du Du CSLNE. CSL Olney. Ah, qui c'est là, Mohamed? C'est qui? C'est le président? C'est qui là? Il y a un gars qui est fier du CSL Olney. C'est qui ce Mohamed H? Mohamed Amlat, c'est un ancien du club. D'accord. Il a une quarantaine de coupes amateurs, il est pas mal, hein. Il est Ah, toujours ok. bon, hein. Il est toujours bon? Je te battrai un jour, Mohamed Ok, Amlat, je te battrai. c'est bon. Bah, Mohamed, n'hésite pas à réagir. Hein, parce qu'apparemment, Mustapha, il a dit que. Hein. Mais bon, t'as dit un jour, t'as dit un jour. T'as Un dit un jour. jour. Un Il est jour, loin un jour. d'arriver, ce jour. Ah ouais, il est. Bon, en tout cas. toujours au poids, j'aime bien. Ok, en tout cas. Ouais, j'ai refermé, désolé. Ok, on était sur ça. Du coup, ouais, je vais enchaîner sur autre chose. Je te laisse nous expliquer tout ça. Ça, c'est des sparring à l'INSEP. Ok. Steak Alors Victorio Club. l'INSEP, dis-nous, qu'est-ce que tu fais à l'INSEP? Qu'est-ce que tu fais à l'INSEP? Moi, je vais là-bas deux, trois fois par semaine pour mettre les gants. Ouais. Je suis partenaire d'entraînement. D'accord. Je suis entre autres sparring. Ok. Et ça peut m'ouvrir quelques portes. D'accord, ok. Et là, c'était un petit sparring avec Victor Yoka. Super bien tenu, Victor d'ailleurs. Yoka de la famille Yoka, ok, d'accord. C'est ça. Ok, alors comment Franchement, ça s'est c'est très bien passé? passé. Ça va? Ça s'est bien passé? Ouais, ça a très très bien passé même. Donc du coup, au fait, Lumière. on t'appelle pour servir de sparring à des boxeurs, on va dire, titulaires de l'INSEP, c'est ça? C'est ça, voilà. Ok. Et Pour toi, leur préparation. ok. Après, moi, ça m'aide aussi, pour mes préparations aussi. Ok, ça roule. Parce que Bah s'ils ouais. font les championnats de France, je les ferai aussi. Et comment dire? Au fond, toi, tu viens en sparring, parce que t'as pas envie de plus. Si, moi j'ai envie de plus. C'est-à-dire, tu veux prendre la place de.
Bien sûr. Non, mais oui, non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais, c'est tu viens en sparring. Bon, déjà, si tu viens en sparring, c'est que c'est pas, c'est que Jack, c'est qu'ils ont détecté des qualités chez toi, j'imagine. C'est ça, bien Voilà. sûr. Et que du coup, ça te laisse une porte ouverte pour devenir titulaire, on va dire. Exactement. Exactement, une très belle porte. Une très belle porte. Alors, comment ça se passe, toi, dans ta tête? Tu te dis quoi? Tu te dis là. Depuis quand t'es appelé en sparring? Pour l'INSEP. C'est depuis le début d'année, non? On va dire Donc, septembre, je crois. début d'année. Ah oui, que début de saison, d'accord, ok, ouais. C'est début de saison, voilà. Ok. Bah, ça se passe très bien en ce moment. Ouais. Ça se passe très très bien. Ça t'apporte quoi de Je fais ce plus que j'aime. que le club? Attention à ce que Bah, tu plus vas de dire sur sparring déjà. le attention à ce que tu vas dire sur le CSL Non, Aulnay, hein. non. Ça t'apporte quoi de Bah plus déjà, je mets l'INSEP? les gants avec d'autres personnes déjà. Ça Ok. m'apporte. Je vois d'autres choses. Ouais, de la diversité, ouais. Je vois ce qui se passe en équipe nationale déjà. Ouais, tu m'étonnes. Comment ils s'entraînent, comment ils réfléchissent. Il y a plein de choses comme ça que j'enregistre moi dans ma tête. D'accord. T'as le droit, en fait, parce que je me rends pas du tout compte, t'as le droit du coaching ou le coaching c'est pour les autres, c'est pour les titulaires, et après on te dit, bah allez, vas-y, Mustapha, tu mets les gants, c'est parti. Ah non, moi Ou. c'est j'ai pas vraiment eu de coaching personnel, mais on m'a beaucoup conseillé quoi. On t'a On va conseillé, dire. ouais. Ouais, donc C'est ça, voilà. c'est vraiment bénef, même en tant C'est que ça, sparring, voilà. d'aller à l'INSEP, ouais. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Bon, mais Après, ok, c'est je. pas mal, hein, j'aime bien. Ouais, je crois que je les ai mis à l'INSEP, je les ai tagués sur la vidéo. Donc, ok, bah écoute, chouette, parce que du coup, à l'INSEP, je dis pas de bêtises, notre ami Christopher, qu'on avait. Christopher Messenguet, bien Ouais, sûr. Missingué, qu'on avait super sympathique ce garçon, qu'on avait juste à l'émission précédente. Bah lui aussi, en fait, il est dans le même cas que toi, si je dis pas de bêtises. Il est C'est ça, sparring ouais, pour l'INSEP. exactement. Du coup, tu le croises alors? Ouais, je le croise tout le temps. Ah, petite dédicace à Christopher là. Ah ben oui, petite dédicace à Christopher Ah, aussi. il doit regarder, j'espère qu'il doit regarder. Ouais, ouais, Christopher, t'as vu Christopher, j'ai pas fait d'erreur sur le palmarès de Mustapha. Le pauvre, je lui avais rajouté, je crois, Chris, je vois, je crois, j'ai rajouté 4 ans, ou je sais pas. Six ans, tu l'as Je lui ai rajouté. rajouté 6 ans, Cinq et il n'y a pas que ça, je lui ai rajouté 6 ans et je l'ai rétréci. Je l'ai rétréci de taille, donc tu vois, je crois, ça, je l'avais mis plus petit que. Mais ça va, t'as vu, sympathique, il m'en a pas voulu, quoi. Bon, ça J'espère, hein. va. J'espère, on verra quand je le croise à Pouchet, comment il va réagir. Non, en tout cas, petit coucou à Christopher si tu nous regardes. Et il y avait aussi Maxime Vaz, le premier qu'on a fait sur l'émission Le Ring, là, qui lui est titulaire à l'INSEP. Donc, Ouais, c'est ça. ouais, voilà, Un je très pense. très bon boxeur aussi. Ah, bah, tu vois, ça va lui faire plaisir. Très grand. Très J'ai pas grand, ouais. l'habitude de dire ça de quelqu'un, mais il est très grand. Ouais, il est très grand, je crois que. Je sais plus, mais ouais, peut-être 98, je sais plus, mais ouais, très grand, ouais. Il fait 2,02 m, je crois. 2m02 J'avais vu dans m. l'émission précédente, ouais, 2,02 m. 2m02 m, ouais. Bah, tu vois, t'as mieux retenu que moi. Mais très 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 gentil, hein. Ouais, franchement, c'est marrant parce que Christopher m'a dit pareil. C'est pas genre. Il m'a dit, ouais, il m'a dit vraiment, c'est un. Ouais, ça fait plaisir de parler avec quelqu'un Bien sûr. comme Max. Bah, moi, c'est ce que j'ai ressenti, sa première émission. Ouais, vraiment, quelqu'un de posé. Putain, il est jeune, hein, mais. Non, non, j'aime bien. On a le même âge, je crois. Ah, beaucoup, ouais. Non, non. Non, mais je me doutais bien que faire les émissions avec les boxeurs amateurs, ça allait être bien sympathique. Non, non, mais j'aime bien. Bon, après, on aura des boxeurs pros, hein, je pense, j'espère bien. Bien sûr, j'espère Mais aussi. ouais, ça fait plaisir de. On a démarré avec vous, comme j'ai dit à chaque fois. On a démarré à Pouchet. Exactement. Ok, alors attends, ça on l'a fait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que. Hop, tu vas m'expliquer. Ouais, ça c'était un petit sparring à la salle D'accord. avec Hadji Sangaré, ça s'est très très bien passé. Alors, Un très bon sparring. Hadji Sangaré, bah ouais, Hadji Sangaré. Ah, Ouais, il est c'était toi le pro. sparring. C'était toi le sparring. Hein. Ouais, c'est moi le sparring. ça va. Alors, comment ça s'est passé? Oh, ça va, c'était très bien. D'accord, ok. Ça va, c'est très bien passé. Ouais, Hadji Sangaré, il est pro depuis combien de temps? Il est Quoi, à pro ce depuis moment, combien de temps? quoi. Je sais pas. Je sais Il pas. doit Mais avoir 8 combats pro, je crois. 8, 9. à ce moment-là, c'était un jeune boxeur pro? Quoi, un nouveau boxeur pro Non, c'était récemment, ça. C'était il y Ah, a ça, c'était peut-être récemment? 3, 2 mois, 2 mois, ouais. D'accord, ok. C'était il y a 2 mois.
Okay. Je venais de revenir de blessure. Ok, il avait un combat à préparer, il avait une échéance peut-être. Je crois qu'il prépare un combat. Ouais. Non, on peut plus trop. D'accord, ok. Bah, du coup, tu l'as aidé, hein. Ça va, t'as pas pris trop. Oui, bien sûr, il a gagné. Si, si, il avait préparé un combat, il avait gagné. D'accord. Bah, du coup, t'as participé à sa victoire, quoi. C'est ça. Il t'a appelé, t'as dit merci. Même pas dit merci. Non, même pas dit merci. Ah, ok. Adji Sangaré. Ok, d'accord. Bon, écoute, je vais le contacter pour une émission. Et je vais lui demander, je vais lui dire, attends, je comprends pas le délire. Mustapha, il vient, il prend des coups. Tu as pas dit merci? Bah oui, c'est pas gentil ça. Ah, c'est pas gentil, bon, je vais pas trop, attention. Je rigole, Adji, hein. Attention. Ouais, du coup, ok, d'accord. Ok, bon, la vidéo, elle finit pas encore. Voilà, c'est une autre sparring. Ouais, voilà. Rien d'exceptionnel. Ah, c'est. Voilà quoi. Juste, je fais un petit tour de temps en temps parce qu'en fin de compte, d'habitude, je fais pas autant de tours sur le chat. Mais là, je vois que je rate plein de messages. Je te laisse un peu lire. Je vais regarder si plus on a raté des choses. Alors, ah, j'ai pas tout compris. Seuls les vrais savent pourquoi il était viré. Alors, je sais pas de quoi il parle. Je sais pas. Il ah, ben, y a des codes secrets entre vous. Il y a des trucs. Ah ouais, c'est Ah ouais non parce que c'est plus haut. Ah ouais, ouais, attends, qui c'est qui a dit ça? Seuls les vrais. Ça c'est Hugo qui a dit ça. Hugo Camacho. Hugo, ouais. Je savais que c'était. Et t'as quelqu'un qui a lâché juste au-dessus, Samy 93. Pourquoi t'étais viré de l'école? Donc je sais pas si on est là pour parler de ça. En plus j'imagine il y a peut-être les parents qui regardent et tout. Ils sont au courant moi que t'es viré de l'école. Oui bien sûr. C'est là quoi? Comment ça? Moi je pensais qu'il allait encore à l'école. Il bise à mes parents. Ouais. Ah ils sont bled. Il y a toute la famille bien sûr. Alors attends où ça au bled? Où ça? Attention. À Oujda. Oujda. Ah c'est bien. C'est bien Oujda là. Oh, ça va là ils sont bien, ça va, ils sont bien. Ils sont bon, après ils sont pas partis en vacances, ils sont partis Ouais, ils doivent être mieux ouais. Que nous, ils doivent être mieux que nous à Paris. Ils sont partis pour un décès quoi. Ah, d'accord, OK, ouais. Mais bon. OK. Mais je me suis viré de l'école. Alors ouais, il y a Samy 93 qui t'a balancé. Moi, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Allez, je crois que ça va faire plaisir à tout le monde. Allez, attention. Attends, faut appeler les profs aussi. Ah, vas-y. Non, moi, je suivais pas trop. Mais moi, j'étais pas trop dedans. Ouais. J'étais pas trop dedans, j'avais la tête. Bah, encore, je voulais faire comme. Sa scolarité, sauf le plus grand. Il n'y a que le plus grand qui a terminé sa scolarité. D'accord, le plus grand des frères. Mais après, on s'amusait. On faisait rien de grave. On s'amusait beaucoup en classe. Ça bavardait. Après, il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Hein. Ouais. Et puis, ça m'a amené à rester chez moi. Moi, j'ai pas tout compris. Mais bon, t'es resté chez toi à la fin. Ok, la goutte d'eau, on sait pas. Ouais, on saura pas c'est quoi la goutte d'eau, mais voilà. La goutte d'eau. Voilà, du coup, alors qui c'est qui posait la question? Il y a quelqu'un qui posait la question. Ouais, c'était Hugo. Non, c'est peut-être. Non, Hugo, il a dit seul les. Non, c'était Samy 93. Voilà, du coup, Samy, t'as la réponse. C'est la goutte d'eau. On est d'accord, c'est ça? C'est la goutte d'eau qui a fait que t'as quitté l'école. Ouais. Il y a quelqu'un qui tire sur ta connexion internet. Hein. Je pense que. Sérieux? Ouais, non, c'est pas grave, t'inquiète, menace personne. C'est... Non, menace pas la famille, c'est pas bien ça. En plus, ça se trouve, il y a les parents qui sont là, qui écoutent, ils vont t'appeler après. Hey, menace pas le petit frère, hein, attention. Il y a une petite question qui est passée là, alors peut-être que t'en as vu d'autres, mais là j'en ai vu une qui dit tu préfères être champion olympique. Et j'aime bien, t'as des gens, ils te kiffent grave ou alors ils te voient déjà très très haut. Tu préfères être champion olympique ou champion du monde? Professionnel, bien entendu. Bah déjà, je préfère être champion olympique. D'accord. Pour passer professionnel et devenir champion du monde. Wesh, tranquille. Bon, ben c'est bon. j'invite que des stars, moi, j'ai l'impression. À chaque fois, je parle à un boxeur amateur. Hey, vous êtes trop forts, les gars. Non, mais c'est bien. Moi, je dis respect. Respect. Bah, écoute, bien sûr, faut avoir une toile. Faut avoir des rêves, hein. C'est important. Hein. Bien sûr. Ouais, bon, après il y a encore des réactions. Bon, on va pas tous. Voilà, encore il y a encore des réactions.
Attends, 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 juste je finis sur celle d'Alexis. Vas-y, tu la vois la dernière? Il s'entraînait sur moi alors que je suis Laisse-moi. petit et je suis petit et gros. Le mec, apparemment, Bon, clair. tu tapais les plus faibles, apparemment. C'est pas bien ça. C'est mal. C'est mal. Non, c'est faux, je me bagarre jamais, il ment. C'est mal. Alexis, hein, Mais vas-y, par hein, contre, n'hésite. il fait partie de mon petit bye-bye de l'école. Ah d'accord, C'est donc grâce à lui, entre autres. ouais, grâce, donc tu t'as dit grâce pour lui, voilà, mais ok, d'accord, donc il est un peu responsable de ton échec scolaire. Ok, C'est ça, exactement. le message est passé au grand frère Merci, de Alexis. Mustapha, et voilà, si vous cherchez un responsable, c'est Alexis. bah vas-y, je vais refermer. C'est vrai que tu es plus rapide que ton ombre. Ouais, juste, je vais quand même rester sur cette question. Parce que c'est vrai que quand on te voit combattre, ouais, t'as quand même une bonne vista. Hein. Il y a des coups qui partent très vite dans les côtes ou. Je découvre qu'ils sont assez rapides. Après, on travaille beaucoup ça à la salle. Ok. Et du coup, Et. sur le ring, on travaille beaucoup l'explosivité à la salle. D'accord. Et comment ça se passe? Comment on travaille l'explosivité? Bah, déjà, faut apprendre à taper vite. Tu te mets au sac et c'est comme ça qu'on travaille l'explosivité. On se met au sac et faut le plus rapide. Eh, mais moi je peux. Eh, je vais refermer le chat, c'est pas possible. Eh, t'as vu ce qu'il a. Ah, je sais pas qui c'est, Cora. Eh, dis-leur que tes bras ils sont plus longs que tes jambes. C'est quoi? Il y en a, ils sont sans pitié. Eh, vas-y, mec. Eh, je referme. Non, mais parce qu'en fait, on a encore des trucs à passer. Et moi là, je commence à pleurer de rire là. Eh, je me retiens depuis tout à l'heure. Eh, Cora. C'est qui, Cora? Moi, je connais des Je sais magasins, pas. Cora. Moi, c'est tout ce que je connais. Yeah, d'accord, c'est lui là. Bon, écoute, Laissez-moi en paix. bah, j'espère que c'est pas vrai que t'as pas les bras plus longs que les jambes parce que ouais, ça ferait bizarre quoi. Ici, un peu. On va quand même demander à la Fédé de checker ça parce que du coup, ça te fait un gros avantage. Hein. Je sais pas si c'est autorisé. J'ai 2 mètres d'allonge. Hein. C'est vrai? Ah oui, j'ai mesuré. Ça, c'est pas mal, ça, ouais. Ah, ça y est, tu viens te trahir, t'as donné le secret à tes adversaires, là. Ils ont compris maintenant. Non, de toute façon, ça Ils ont compris, ils ont compris. changera rien. Ça Ça changera rien. changera au résultat. Ah, du coup, bon, allez, je vais enchaîner sur le reste, mais du coup, je suis un peu perdu là. Ouais, non, ça, on l'a fait, hop. Ça, on l'a déjà vu. Et ça, en fait, ouais, c'était la suite du sparring. En fait, on arrive au bout là, c'était la suite du sparring. Bon, bah, ok, c'est toujours dédicace à Haji Ouais, Sangaré. toujours délicat. Ouais. J'espère qu'il a la paix, j'espère que ça se passe bien pour lui. Bien sûr. Et on est d'accord, Mustapha, s'il a besoin d'un sparring, t'es partant? Je suis là, bien sûr. Toujours. Impeccable, impeccable. Ouais, alors, maintenant, Mustapha, va falloir que tu m'expliques pourquoi quand j'ai voulu t'appeler, et en plus c'est pas vrai, 21h, je crois que c'était genre 20h, pourquoi tu m'as dit que c'était trop tard? Je comprends pas là. Comment ça se fait que tu te couches? À quelle heure tu te couches? En Ah, je me couche en à moyenne. 21h. 21h. Alors 21h, tu sais déjà. 21h, quand je tarde trop, 21h30. Quand je sors. C'est quoi? Quand je sors. Attends, attends, je vais mettre le chat en même temps si quelqu'un veut te charrier parce que là, j'ai pas compris la phrase. J'ai pas compris la. Je me couche à 21h. Déjà, j'ai pas compris la phrase, tu vois. Moi, j'ai ma petite fille. Bon, on sait qu'elle est petite. Bon, bah ouais, c'est à peu près les horaires. Et quand je tarde trop, 21h30. Faut que tu nous expliques parce que sinon, les gens, ils vont pas comprendre. Ils vont dire, oh là là. Marché. Je vends des billets. Ça avant. Alors, Après. t'as dit je vends des beignets sur les marchés. Je pense que c'est ce que t'as dit Des parce que ça a sponges, coupé. pour ceux qui Voilà. connaissent, bien sûr. Ok, c'est bon, t'entends mieux. Ouais. C'est pour ça qu'on m'appelle Spongeman. Sphengeman. Les Sphenges. Alors attends, C'est pas pour rien. je vais montrer. Attendez, je vais montrer quand même en même temps. Je vais juste quitter le chat, les amis, 2 secondes, désolé. Je vais montrer un peu à tout le monde. Voilà. C'est pas beau La ça? tenue. Ah bah oui. Ah, c'est beau, c'est ça qui fait. Voilà pourquoi il se couche à 21h. Parce que tu te lèves à Bien quelle sûr. heure? Tu l'as peut-être dit, Je mais me ça a lève coupé. à 3h. Entre 3h, 4h, 5h, ça dépend. Ouais, Ah, c'est un. Bien 3 sûr. heures. C'est l'heure à laquelle je me couche, moi. Maintenant, quand je vais me coucher, quand je me dirais me coucher, je dirais putain, Mustapha, il se réveille là, c'est hoche. Voilà, du coup, à 3h du matin, Voilà. au fourneau. C'est ça, je suis comme ça. Alors explique-nous, là, vous les faites sur place? C'est ça, on fait tout sur place. Que du frais.
des produits C'est que frais, du frais, c'est magnifique ça. Avec du thé à la menthe aussi frais, fait sur place. Oh, avec du thé à la menthe, et là, ça donne. Voilà, c'est ça. Ah. Eh, franchement, c'est beau, hein. Tu regardes comme ça, moi, Ah, tu me bah sers oui, ça. et c'est bon. Ah, bah ouais, moi, j'en ai déjà mangé, ouais, D'ailleurs, je bien sûr. t'invite. Ah, tu mets. C'est où? C'est à quel marché ça? On fait le marché de Sevran le samedi. Ouais. On fait le marché de Garges le jeudi. Et... Oh, pas de chance, la Pour connexion. Alors lundi. attends, attends, t'as dit, on s'est arrêté au marché de Sevran. Après ça, après je crois que ça a coupé. Après ça a coupé là. Chez le gars, vous m'entendez? Ouais, non, 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 parce qu'en fait je vois que moi je bouge encore et je vois que voilà, mais toi, t'es frisé. Tu m'entends là? Ouais, là c'est bon, je t'entends, c'est bon, t'es revenu. Tu m'entends? Vous Ah, m'entendez? tu vas nous envoyer des textos, ça va être plus facile, je crois. Non, c'est bon, là, t'es là. Ah non, tu viens, tu repars. Attends, je vais essayer de le Je mettre vais... en 3G. Attends, vas-y, moi je vais revenir, hop. Voilà, je vais revenir. Bah, du coup, il m'a laissé tout seul. Attends, t'es revenu là ou pas? Ok, t'es revenu. Alors, 2 secondes, si t'es revenu, hop. Non, ouais, ça y est, je te Bon, vois, je te ouais, vois. voilà, je suis là. Qu'est-ce que t'as fait quoi là? T'es passé Je me en suis mis en 4G? 4G. Eh, tu pouvais pas le faire depuis le début. Attends, je vais remettre le chat, on sait jamais si les gens ils sont vénères après toi, ça sera ta faute. Désolé, désolé, tout le Oh. monde. Ah, c'est bien, il s'est excusé. Bon, à partir du moment où il s'est Bien sûr, excusé, ça va. toujours. Bon, alors du coup, je vais pas te mettre. Tu te rappelles ce que je t'ai dit sur ta dernière photo? Que si tu Ouais. déconnais, si on perdait la caméra, je te mettais des oreilles de Mickey ou je sais pas quoi. Bon, ah, ça va, tu t'es. Ouais, du coup, appétissant, vas-y, redis-nous alors au niveau des marchés, comment ça se passe? C'est samedi. On fait le marché de Sevran. Ok. Le jeudi et le dimanche, on fait le marché. M'entendez pas? Si, jeudi dimanche, tu fais le marché de. On va mettre les informations sur. On mettra les informations sur la page Facebook du club. Attendez. Ça marche pas là? Si, bah, en fait, quand tu dis ça marche pas, est-ce que vous m'entendez pas? Ça marche et dès que tu m'as parlé, après ça marche Et pas. quand j'essaie de parler, ben. Je sais pas, hein, il y a Bon, peut-être j'en quelqu'un. profite, je fais le marché. Le marché. Le marché de Garges. Ouais, marché de Garges, ok, ouais, très bien. Et samedi, dimanche, lundi, au puce de Clignancourt. Ok, samedi, dimanche, à Clignancourt. Ok, ah, je sais pas si tout le monde va y aller, hein. En tout cas, les amis, si vous voulez y aller, vous pouvez y aller. Mustapha, il a Bien garanti un prix. sûr. Il garantit un prix. Le code, c'est MTP Boxing. Vous pointez, vous dites MTP MTP Boxing. Boxing. Ok, bah, par contre, faut être abonné, hein, parce que Mustapha, il va Ah bah checker. oui. Tu dis MTP Boxing. Il Je regarde, si t'es abonné sur le truc. Et là, t'auras pour un beignet acheté, un beignet offert. Ok? Un beignet acheté, un beignet offert pour tout Bon, le en tout cas, ça a l'air hyper appétissant. Et du coup, tu fais ça avec qui? Comment ça se monde. passe? On fait ça avec mes frères. D'accord, donc c'est un business Mon père, familial. il est à la retraite. C'est ça, voilà, exactement. C'est papa C'est qui un a business commencé? familial. Et... C'est papa qui a C'est commencé? ça. Il y a très longtemps. Il y a très longtemps, d'accord. Après, tous mes frères et moi, on est nés dedans. Ok. Ok, bah c'est bien quoi, c'est bien. Hein. Bien C'est sûr, bien. très très bien. C'est bien, c'est sympathique tout ça. Du coup, hop, hop, on va regarder si tu t'es fait un peu charrier ou pas. Non, tu t'es pas fait charrier. Non, c'est mignon ou pas? Non, ça a l'air mignon. Ah, tu prends ça avant le combat? Tu prends ça. Hey, tu sais quoi? Hey, tu sais quoi? En plus, je voulais te. Ah, c'est que je voulais la faire cette vanne là. Je me suis dit, ça se trouve, c'est ça ta potion magique. C'est un sphinx. Ouais? Et bah rassurez-vous que j'en mange avant chaque combat. Sérieux? Sérieux, ouais. Ah, c'est bon ça. C'est bon ça. Ah là là, il est là le secret. Il est là le Quand on boxait à secret. Pouchet, c'est juste à côté, les puces. Du coup, on allait manger et on venait pour boxer. Beignet validé par Soulax. C'est ça, exactement. Appel Ouais, Soulax. apparemment Alexis va te payer la fibre. Donc c'est bien en fait, tu vois, il y a pas mal de choses. Il y a ton frère qui va te payer des AirPods. Et en fait, ça valait grave le coup de venir à l'émission, t'as vu? Ah ouais, que des cadeaux. Ah ouais, non mais ça c'est bueno. Ouais, du coup, alors juste pour t'as 20 ans, t'es boxeur amateur.
Mine de rien, bah, tu fais des choses qui sont pas mal, tu vois, même si moi je suis pas un expert Bien sûr. comme tout le monde a pu le voir. Mais bon, voilà, on voit quand même que mine de rien, tu as du résultat, tu fais des choses vraiment qui sont pas mal et tout, etc. Et je sais pas, là tu as 20 ans, c'est peut-être que, ouais, tu es jeune, mais bon, voilà, quand est-ce que tu envisages peut-être de passer la vitesse supérieure? Pour toi, pour l'instant, c'est l'INSEP ou tu envisages peut-être passer Ouais, pro, tout l'INSEP, bien ça, c'est sûr. pas, ouais, passer pro, tout ça, c'est pas ton délire pour l'instant. Non, c'est pas trop mon délire en ce moment. Mais je préfère l'INSEP, hein. Il y a plus de portes, plus D'accord. d'opportunités D'accord. avec eux. Ok. Ok, d'accord. Bah écoute, on te le souhaite, hein. J'espère que tu vas continuer à. Ouais, tu regardes les messages toi aussi. J'espère que Ouais, tu ça me vas. plaît, ouais. J'espère que tu vas continuer à progresser. Tes coachs, bah du coup, j'imagine que bah, ils sont bien contents d'avoir un boxeur comme toi Bien sûr. et avec la marge de progression Bien sûr. que tu promets. Et moi d'avoir un coach, des coachs comme eux. Ouais, bah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu m'étonnes. Bien sûr. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Non, non, on essaiera un jour de faire, parce que ça, moi, ça m'intéresserait aussi d'inviter bah justement des coachs. Parce Des que c'est marrant, entraîneurs, bien sûr. ouais, tu sais, quand j'allais accoucher, au début, bon, nous, on savait pas trop, on n'avait pas trop nos repères, on savait pas trop quoi faire. Et voilà, puis en faisant, au début, je ne sais pas si tu te rappelles, je sais pas si ben oui, on faisait des petites interviews au début, on filmait pas les combats, on faisait juste que des petites interviews, etc. Et j'avais des coachs qui venaient me voir, qui me disaient, ouais, ça c'est vachement bien ce que vous faites pour les jeunes et tout, c'est bien, ça fait des souvenirs Bien et tout. sûr. Il me dit, 6 mois dans ma jeunesse, on m'avait filmé et tout, etc. Et des fois, il y en a me disaient, mais tu sais que je suis bon, tu sais que j'ai fait des trucs. Genre comme si j'étais un pro, mais moi, ouais, je connais rien à la boxe. Je dis, ouais, je savais pas, ouais. Et du coup, je trouve que. Ouais, j'imagine qu'il y a des coachs qui doivent avoir des expériences de ouf, quoi. Des expériences Bien de sûr, ils en malade, ont vécu quoi. des choses. Et voilà, ils ont vécu des choses, ils ont. Voilà, au-delà de l'expérience professionnelle, il y a des choses à raconter. Puis, voilà, puis il y en a C'est vrai, bien qui sûr. intègrent des clubs, qui surtout sont occupés de beaucoup de jeunes. Donc, je pense qu'ils ont plein de choses à dire et je ferai ça. Je Exactement. ferai ça toujours avec les Ce boxeurs serait une bonne amateurs. chose, bien sûr. Ah ouais, je ferai ça. Donc, je pense que ça fera plaisir aux boxeurs. Comme ça, de temps en temps, tu vois, le coach, il va dire, ouais, tu sais, Mustapha. Ouais, c'est un bon boxeur, il n'y a rien à dire, il est prometteur, mais c'est un fainéant, tu vois, c'est un fainéant. Non, Ouais, c'est vrai ça. je rigole, non, je rigole, non, non, mais ça se trouve, bah, je pense que t'es pas arrivé jusque-là par hasard, c'est que je pense que tu dois quand même bosser, Bien sûr. comme beaucoup de gars dans la boxe, mais non, c'est bien. Exactement. On te souhaite le meilleur. Bon, ça a chambré, Merci beaucoup. ça a chambré ou pas là? C'est un champion. Excuse-moi. Ouais, c'est en train de me chambrer là dans les commentaires là. Ouais, ça va être tournée générale de Smench, quoi. Ta plus grosse fierté dans la boxe. Merci Alexis, ça change des petites vannes qu'il a balancées avant. Ma plus grosse fierté dans la boxe, déjà, c'est d'être arrivé au CSL Aulnay. Parce que vraiment, vraiment, sans eux, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, je serais pas là. Hein. Donc Je dis pas que je suis une star, hein. Je suis pas une star. tu parles de tes deux coachs toujours? Hein. De mes coachs, bien sûr, et ceux qui m'entourent aussi. D'accord. Mon entourage. C'est vraiment quelque chose qui m'a pas dire qui m'a forcé à rester, mais qui m'a obligé à rester, quoi. Ça m'a donné envie de rester ici, de plus traîner dehors. Parce que je sors plus dehors aussi. Hein. Ah, tu sors plus, ouais. Non, J'aime non, bien. je sors plus. Ah, Hein. J'ai même plus le temps. c'est un message aux parents. Ah, je sors plus dehors. Hein, je fais plus de. Non, mais ouais, là, tu m'étonnes. Là, c'est là, j'ai. Ouais, Bien sûr. tu m'as raconté ton Après, mes parents, ils planning. m'ont beaucoup, beaucoup, Il beaucoup, est beaucoup chargé. poussé. Chocolat Namma, si elle me Chocolat. regarde. Ouais. Ça, c'est bien, ça. Et pour mon père aussi, merci à la famille, à tout le monde, Tu leur as dit à que mes t'étais. frères. Tu leur as dit que t'étais en Bien direct? sûr, bien sûr. Oui, ils sont tous en famille là, en train de me regarder ici à côté de l'autour de la table, bien sûr. Aouza, Ouais, c'est ça. Salam alaikum, c'est bien ça, c'est bien, c'est bien ça. C'est bien la famille, c'est important, c'est important. Ah bah c'est bien ça, MTP Boxing au Maroc, c'est bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bien sûr. T'as quelqu'un, attends, j'ai raté peut-être une question, j'en ai vu une. Alors dans quel pays aimerais-tu aller le plus? Alors on va. Sami. Alors moi je vais rester. Est-ce que c'est une question par rapport à la boxe ou il te parle de vacances là? Oui, j'ai pas compris. Pas Mais dans quel compris. pays j'aimerais aller le plus? Je n'ai pas de pays. T'as pas de pays? Bon ben voilà, Sami, il n'a pas de pays. Bon après, il y a Yaya qui chambre un peu. Yaya et Abdel là, à 20h, ils répondent plus au tel. C'est pas.
pas gentil, ça y est. Je sais pas lire la suite, tu vois, il y a la famille et tout. Ok, d'accord. Ok. Attention, Bon, erreur. ouais, attention, ouais, c'est clair, il va falloir régler des comptes. Hein. Bon, vas-y, peut-être qu'on reviendra sur le chat tout à l'heure un peu. Il y a une question intéressante là. Ah, attends, bouge pas. Alors, je reviens tout de suite. T'as vu quoi? La dernière. Ah C'est quand tu tapes les... ouais. Vas-y, je te laisse répondre là. Ah, j'aime bien. Hey, les gars, vous vivez tous sur la lune, quoi. En fait, c'est ça, vous visez la lune pour. Moi, je dis ça des fois à mes enfants. Ah, je fais, vous visez la lune pour atteindre le premier étage. Mais hey, Eh ben, si tout il le monde est faut. au, si tout le monde est au rez-de-chaussée, premier étage, c'est bien. Attends. Donc alors, Bien c'est sûr. quand? Bon. En fait, l'année dernière, j'ai donné un. Je me suis donné un objectif. C'est un, on va dire un rêve même de boxer Bodherlic. J'aimerais bien boxer Bodherlic. Bodherlic, si tu m'entends, même si je sais qu'il m'entend pas. J'aimerais bien de boxer. Il me reste 4 ans. 4 ans, ok. Waouh, waouh, waouh. Ah, ce serait marrant À qu'il toi. t'entende, ça serait marrant qu'il t'entende et qu'il te réponde. Ça se trouve, il va me Bien sûr. contacter, il va me contacter. Hein. C'est moi qui suis en train de rêver là. Ça se trouve, il va me contacter, il va me dire, ouais, Kamel, bah, vas-y, tu sais quoi, il faut que je réponde à Mustapha là. Mustapha, écoute-moi. Je vais tenir le coup pendant 4 ans, je vais t'attendre. Ah, c'est bon ça, je vais J'aimerais lui bien. dire. Je vais lui dire, fais-lui une En pro, réponse. hein. Bien sûr, en pro, Ah, hein. bah oui, Je en parle pro. de... Ah, bien sûr, ah bah oui. Attends, il va pas venir en amateur là. Non, non, en pro. Ah oui, c'est fini. C'est toi qui vas monter là. J'irai gravir les échelons. Ah bah ouais, tu m'étonnes là. Et après, par rapport au travail que tu fais, parce que bon, tu vois, se lever à 3h du matin, c'est quand même, il faut avoir une certaine hygiène de vie et tout. Ouais, je te dis, il faut qu'on ferme le chat, sinon on va pas réussir à parler, c'est un truc de malade. Et en fait, je sais pas là, mais là, t'as bien briefé les gens. Mais peut-être, je pense que les gens, ils sont habitués, tu vois, je sais plus combien d'épisodes, peut-être 5e, j'ai pas compté là, mais ouais, là, ils sont briefés, là, il y a du monde, tout le monde est Ah vénère là. ouais, c'est Ou alors, c'est les gens de Aulnay qui sont. Ils sont à donf là. Ouais, Ils je voulais attendent te. partout. Eh ouais, non, mais je voulais te demander. Mais attends, vas-y. Je voulais te. Je voulais. Non, mais il faut pas lire. Je voulais te demander. Attends, je ferme juste 2 secondes. Je voulais te demander. Ouais, avec le boulot que tu fais, te lever à 3h du mat, etc. Bon, on avait quand même bien compris que tu étais sérieux, que tu avais une hygiène de vie, tu vois, tu te couchais tôt et tout, Bien sûr. etc. Mais ça implique quand même des choses pour toi au niveau de la boxe. C'est une difficulté? Non, vraiment pas. Tu le gères bien? Quand j'ai des entraînements, mes frères peuvent me remplacer. Ça, y a vraiment pas de difficulté. En plus, je travaille pas beaucoup, je travaille 3 jours et demi par semaine. Ah, je croyais que tu étais en train de dire, quand je suis là-bas, sur les marchés, je travaille pas beaucoup. Je m'assois sur une chaise, je laisse les frères. Vas-y, tu peux servir du thé à. Ok. Tu travailles pas. Ok. Tu travailles que 3 jours par semaine. Quoi que. Tu travailles Moi, je 3 jours travaille par semaine. samedi, dimanche, lundi. Ok. Et le jeudi matin. Ça roule, Et ça après, tout roule. le reste, tu es à la salle. Je squatte la D'accord, salle. d'accord. Et quand il faut, les frérots, ils font ce qu'il faut pour Bien sûr, que. ils sont là pour moi aussi. Ouais, c'est bien ça fait plaisir. Allez, vas-y, vas-y. Si tu veux répondre à quelqu'un, je sais pas. Oh, ça va, il y a des mots gentils, il y a des mots gentils. C'est lui qui nous a appris à vanner. Tu vois, en Ça fait même temps. plaisir et ça fait plaisir. Ouais, non, mais c'est bien, j'imagine. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, tu pourras revoir tout ça tranquillement en replay. Ah bien sûr. Sur YouTube, sur Facebook. Sur Facebook, on n'est pas nombreux, on est 200, quoi, il y a 200 et quelques. Hein. Bon, c'est vrai qu'on a surtout démarré sur YouTube. Donc voilà, mais on va essayer de faire de plus en plus de choses sur Facebook. Donc les amis là sur le chat, hein, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche et sur abonnez-vous là, Bien d'accord? sûr. Il faut s'abonner là. Sinon je Gare à suivrai. vous. D'abord c'est simple, là, je vais checker si ça augmente à la fin de l'émission. Si ça augmente pas, je supprime la vidéo en suivant là, d'accord? Mec, c'est une connerie. Bien sûr que je m'entraîne après le live. Non, 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 parce qu'il est quelle heure? Eh, déjà là, big up à Mustapha parce qu'il est 22h08. À 22h08, normalement, Il est il 22 h, c'est ça. est. C'est ça qu'il regarde Mais je depuis dois tout être à en l'heure. train de rêver là. Je te vois en train de tourner la tête en haut à gauche depuis tout à l'heure, mais en fait, c'est juste pour regarder l'horloge. Je veux dire, putain, mais il va conclure En son plus, c'est en émission, quoi, live. là. Ouais, bon. Alors, tu sais quoi, on va accélérer un peu. On est sur la fin. Alors, moi, ce que je voulais te montrer, je vais juste refermer le chat vite fait. Ce que je voulais te montrer, c'est. Attends, je m'approche doucement. Ouais, voilà. Donc, tu nous parlais. Mais justement, quelqu'un avait posé la question. Je sais pas si c'était pas Yaya, je sais plus. Tes idoles. Donc, aujourd'hui, les boxeurs que tu suis ou que tu as suivi, quoi, ceux qui t'ont fait rêver ou ceux qui te font encore rêver aujourd'hui, c'est qui? Celui qui m'a fait rêver, c'est Mohamed Ali.
Ouh, attention, attention. C'est Mohamed Ali. Vas-y, on peut Ah parler dessus, hein, il n'y a pas de là souci. Ouais, que j'avoue. c'est beau. Ah ouais, j'avoue. Eh, c'est marrant parce que t'es le premier, si je dis pas de bêtises, t'es le premier. Ouais, t'es le premier à me parler de Mohamed Ali. Bon, après, je sais que pour Sérieux? beaucoup de boxeurs, ouais, de tous les gars que j'ai eu avant, ouais, t'es le premier à me parler de Mohamed Ali. Parce qu'il a une boxe ex exceptionnelle, hein. Bah, tu sais quoi, voilà, moi j'ai pas l'habitude de regarder les combats de boxe, mais c'est vrai que là, moi je le regarde depuis tout à l'heure. J'ai commencé à prendre quelques images, ouais, mais en fait, c'est. T'as vu ça? T'as vu ce qu'il fait? Moi, ça me fait halluciner, quoi. Ah bah oui. Et en fait, il À voit trop. quelques millimètres près. Il voit les coups arriver, il. Pff, Il est très très rapide aussi. il accélère, mais. Mais c'est vrai que Mais sur ce montage, il y a beaucoup d'esquives, t'as vu? Tu le vois c'est souvent ça, mais c'est esquiver et tout, etc. Et bien sûr, mais ouais. c'est ça. Il voulait dire c'est ça qui a fait la différence aussi pour lui en poids lourd. Ouais. Parce qu'avant les poids lourds ils étaient plus un peu crispés, ils avançaient, ils mettaient des coups durs. Et lui il est arrivé un peu avec cette nouvelle boxe, il bougeait et ça, je pense, ça déconcentrait les boxeurs. Et c'est comme Ouais. ça qu'il a fait sa place. Ouais, Je non, pense. franchement, Il était très ouais. intelligent aussi. Ouais, un grand Parce que monsieur, pour un grand battre monsieur. Foreman. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, après, j'ai pas peut-être pas pris les plus beaux combats et tout, etc. Mais ouais, je. Bah voilà quoi, ok, donc Mohamed Ali, c'est Mohamed Ali, c'est genre, c'est une fois que tu t'es mis à la boxe ou même avant la boxe? Ouais, avant la boxe, ouais. C'était Avant la bah, boxe mon père déjà. est fan de Mohamed Ali. Ah, bah voilà, c'est papa. Bien sûr. Papa, il y est pour quelque chose, pour le fait que tu sois boxeur ou pas? Ou c'est ou t'as Mes fait parents, après bien ton. sûr, eux, ils y Ouais, sont pour ouais. quelque chose. Bien D'accord, sûr, ok. c'est un travail d'équipe, hein, la boxe, hein. Ouais, non mais je te dis ça Bien parce que des sûr. fois quand t'es parent tu peux dire à ton enfant ben la preuve on a eu Hakim Ben Taïeb que je salue hein, Hakim si tu nous regardes et qui nous a dit que pour lui justement c'était difficile les parents ils voulaient pas quoi c'était difficile Sérieux? Ah non, moi, il me. attends Hakim je dis pas ça pour que tu t'embrouilles encore avec tes parents non je rigole parce que il m'a dit ouais faut faire attention faut pas dire que les parents m'ont empêché de non mais tu vois naturellement c'est vrai que ça peut être difficile mais non toi tes parents t'ont encouragé. Ah oui, il me pousse. Même Ok. des fois, je me réveille pas. J'oublie de mettre mon réveil. Ma mère, elle me réveille. Allez, hop, c'est l'heure d'aller à D'accord. l'entraînement, là. Et comment ça se passe quand tu Après, perds même pour un... ma nutrition aussi. Ouais. Ah, ok. Mes parents, ils C'est sont qui? beaucoup derrière moi. Maman? Mes deux parents, mon Les père, il deux. achète à Ouais. manger. C'est un travail d'équipe, quoi. Mon père, il achète à Ah, manger. Ma mère ouais. a préparé, moi, je mange. Eh, je savais pas si t'allais la faire. Eh, quand tu m'as sorti ça la dernière fois, je crois que tu me l'as. En plus, je crois que tu me l'as sorti par message. Je te jure, je l'ai lu. Il m'envoie ça sur WhatsApp. Il m'a dit, tu sais quoi, la boxe, c'est un travail d'équipe chez nous en famille. Hein. Mon père, il achète à manger. Ma mère, elle fait à manger. Et Bien moi, je sûr. mange. Et moi, je mange. Il l'a sorti à la. Ah non, mais lui, il est trop fort. Et Ah, quand il y lui, a il est des trop. restes, on fait croquer le petit. Celui qui pompe Internet, là? C'est ça. Il s'appelle comment? Rendis-moi. Mehdi. Mehdi, eh Mehdi. Mehdi aussi, ouais, il s'entraîne aussi. Mehdi, faut pas te laisser faire. Hein. Tu attends, faut attention. Si tu peux pas manger juste ce qui reste de Mustapha, là, c'est pas possible. Oui. Mehdi s'entraîne aussi? Ouais, il s'entraîne, il a commencé l'année dernière. Là. Il a quel âge? Il a 13 ans. Il Il a vient d'avoir 13 ses ans. 13 ans. Ah, donc Ouais. c'est un peu comme toi. Il démarre à peu près au même âge. C'est ça, voilà. Ok, très bien. Bah écoute, hein, c'est une histoire de famille alors. Hein, c'est une histoire de famille. Hein. Exactement. Bon, bah déjà au moins il a un grand frère qui va pouvoir le conseiller. Exactement. Donc ça c'est bien, c'est important, c'est important. Alors, ton autre boxeur. T'as le droit à trois Canelo. boxes. T'as le droit à trois boxeurs. Canelo. Canelo Alvarez. Ah bah oui. Attends, Canelo Alvarez. C'est ah bah Bon, il y en a qui vont dire, ouais, c'est le même montage que la dernière fois, mais c'est pas grave. oui. Il est Ouais. spectaculaire. Spectaculaire. Qu'est-ce que t'aimes chez lui? En termes de style de Tout. boxe et tout. Tout, ok. Sa coupe de cheveux, Tout ce qu'il fait. le fait qu'il soit roux Tout. et tout, t'aimes tout. Ah Tu ouais, vois. j'ai envie d'être roux là. Voilà, c'est ça que je voulais entendre. C'est ça que je voulais entendre. C'est ça que je voulais entendre. Ok, d'accord. Bon, bah, écoute, je pense qu'il y a quelqu'un dans le chat qui va pouvoir s'occuper de toi. Hein. Une petite teinture, pépère. Et dès que c'est fait, tu m'envoies la photo et à la prochaine émission avec le prochain invité, je sais pas qui ce sera, eh ben on enverra ta photo. Ah, bien sûr. Ouais, du coup Canelo, t'aimes tout, mais je veux dire Ah ouais. tu peux expliquer un peu son style de boxe, comment tu vois les choses toi quand tu regardes Canelo? Déjà, il avance. Et même quand il recule, il donne des coups. J'ai cru que Il t'allais est dire très très intelligent. même quand tu recules, il Il avance. est. Ouais. Ah, même quand il recule, il avance. Je te dis, même quand il recule, son adversaire recule aussi.
Il est très très intelligent. Il a un coup d'œil. Son coup d'œil, il est vraiment. Il a été travaillé, son coup d'œil. Hein. Avant, il ne l'avait pas. Hein. Ouais. Il l'avait, mais pas aussi. Il n'était pas aussi bon. Mais je pense que c'est le boxeur le plus parfait. Le plus D'accord. parfait, parfait de. Ouais, vraiment. C'est une légende. Une légende vivante. Ah, ça, c'est bien ça. Canelo, je pense qu'il nous regarde là, il va être vraiment flatté. Il va vraiment être flatté Canelo, si tu me regardes. de ce Canelo. Il fallait que je mette ça parce que moi je suis fan de Michael Jackson, donc tu vois, le Michael Jackson de la boxe. Alors je sais pas, on parle de toi ou on parle de Canelo? Je pense qu'on parle de toi. Je pense qu'on parle de moi. Donc c'est-à-dire C'est tu moi, sais, Michael Jackson. donc c'est-à-dire que sur le un ring tu peux nous faire un moonwalk. Exactement. Ok, Je peux le faire à mon adversaire. prochain combat, on va regarder Je ça. peux le faire faire. Alors, merci de répondre enfin aux questions. Ah ouais, ok, d'accord, tu te fais charrier apparemment. Ouais, parce que c'est moi qui lui lis les questions. Il pourrait Ouais. faire un effort, hein, j'avoue. Ok, d'accord. Très désolé, Najat. Non, mais je crois qu'on lui avait répondu parce que on lui a répondu. Alors, Callum Smith ou Canelo? Je sais pas si je prononce bien. Bah, moi j'étais fan des deux. Hein. Bon, là on a enlevé Callum Smith. Parce que Canelo, il a pris sa place. Ah. Il a pris sa place, hein. Désolé, Callum Smith, mais j'ai trouvé plus fort que toi. Voilà. Mais moi, je trouve que j'avais une très. Après, il y a aussi David Benavidez. Non, tu voulais me dire quoi? Tu trouves que? Que j'ai la. Bon, pas que j'ai la même boxe que Callum Smith, mais que. Je dis pas que ça s'en rapproche, mais que. Voilà, un petit truc. Ouais. Reste modeste, reste Et un modeste, petit. Un petit. Mustapha derrière trouve, vous. alors Mustapha trouve qu'il a la même boxe que Callum Smith. Donc sur le chat, allez-y, lâchez-vous. Je vois que déjà, en fait, vous cherchez des sujets pour le vanner. Donc là, c'est parti. Mustapha, Callum Smith, même combat. Mais surtout, la vraie boxe que quelqu'un vraiment que je trouve que j'ai une boxe vraiment comme lui, c'est David Benavidez. C'est pour ça que je l'ai Alors, mis. c'est parti. Je t'avoue qu'il est impressionnant, hein, quoi. Moi, voilà, Ah ouais. j'ai découvert là sur le montage. Waouh, Bon, il est un waouh. peu plus rapide que moi, mais bon. Ouais, un peu, hein. Un peu beaucoup. Ouais, on est d'accord, hein. Parce que même au ralenti, ça va vite, hein. Ah bah oui. Waouh, Après, il est invaincu en waouh. amateur et en professionnel, hein. Faut le savoir, ça. Il est invaincu, amateur professionnel. Amateur et professionnel, les champions du monde super moyen, WBC. Non, Il est très très j'avoue, très bon. il est super impressionnant. Bah vas-y, Ah dis-nous, bah oui. dis-nous, développe, parce que moi je pourrais pas développer sur lui. Dis-nous, dis-nous. Déjà, il a les mains hautes et il fait que d'avancer. Il recule pas une seule fois dans le combat. Il recule pas une seule fois et il détruit petit à petit. Il Petit détruit. à petit, petit à petit, jusqu'à ce que les adversaires, ils en peuvent plus, quoi. Mustapha Mustapha Benavides. Benavidez. Ah, Najat, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Najat est Ouais. sérieuse. Hey, Najat, elle est sérieuse sur le chat. Je crois qu'elle a pas charrié comme tout le monde. Najat, elle est sérieuse. Alors, en boxeur français, qu'est-ce que. Oui, c'est En vrai, tu vois, on est boxeur là français, qui c'est que je avec pourrais dire? l'outre-manche, mais ici. Je pense que j'ai dit outre-manche, Qui outre-Atlantique, c'est que je pardon. pourrais. En boxeur français. Oh, tu cherches. Ouais, j'ai pas trop de. Ok, il va se faire plein Mais je dirais d'ennemis. Jean-Marc Mormec. Jean-Marc Morac. Bien sûr. Ok. Qu'est-ce que Il a t'as fini aimé sa chez carrière au CSL, bien sûr, hein, faut le savoir. qu'est-ce que t'as aimé chez lui? Bah déjà qu'il a été champion du monde poids lourd. C'est quelque chose Ah, de c'est très énorme. haut. Ouais, c'est énorme. Après, il a une. Très, très très belle histoire. Il a une très belle histoire. Je sais pas si vous la connaissez, mais Ah, faut aller vous renseigner sur les réseaux. Mais il a une très très belle histoire, hein, Jean-Marc Mormec. et alors, tu peux pas la résumer là? Non, c'est Bah, il trop allait de long? loin. Hein. Ouais, c'est long, Débile. c'est long. Ouais, c'est long. Ouais, c'est très long. Ok, bah tu sais ce que je vais faire? Je vais l'inviter. Je vais l'appeler. Je vais l'inviter. Je lui dirai, écoute, apparemment, tu as une très très belle histoire. Donc tu vas nous raconter tout ça. Mais c'est vrai que c'est une fierté Bien sûr. d'avoir un Français Bien sûr. champion du Champion du monde poids monde. lourd. Ouais, poids lourd en plus, waouh. C'est ouais, Il a j'avoue, boxé j'avoue. Klitschko, hein.
C'est pas n'importe qui. Ah non, c'est clair, c'est clair. Non, non, j'avoue, c'est impressionnant. Ouais. Bah écoute, bah là, je crois que même sur le chat, ça se calme là. Je crois qu'au final, t'as vu, Ouais, les gens, ils sont ils sont partis se coucher. fatigués. En fait, ils sont partis se coucher avant toi, tu as vu? Ah, non. Oh, Yannick. Un poids lourd léger, Yannick Ngaleu, bien mais sûr. oui, il était du monde, lourd léger, poids lourd Il a léger. boxé, ouais. Yannick, je le connais, Yannick, si je dis pas. Mais oui, je dis pas de bêtises, je le connais, je l'ai croisé sur un gala. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était un gala à Grigny. Tu dis, Yannick, si tu m'entends, tu dis oui ou non. Déjà, salut Yannick, hein. Mais oui. Je crois que c'était sur un gala à Grigny. C'est là qu'il répond, qu'il dit non, pas du tout, mec, je te connais pas. Mais si, je crois, parce qu'on avait fait des galas de boxe avec pas mal de clubs. Alors, ouais, donc, donc je pense que c'est Yannick. Et boxeur professionnel, Yannick, si je dis pas de bêtises. Hein. Donc, Yannick, je te salue. Si c'est bien toi, si c'est pas toi, ben rien, c'est pas grave, je me serai affiché encore une fois pour rien, mais c'est la vie. Si Hein. tu n'aurais pas fait de la boxe, tu aurais fait quoi? Ah, yes, Yannick, Ça, salut c'est mec. une question. Ça va, Mustapha, ça te dérange pas si je dis bonjour à Yannick, tu me dis, hein. Non, bien sûr. Salut, Non, Yannick. je te taquine. Ouais, salut Yannick, ça fait plaisir, je me doutais que c'était toi, ça fait plaisir, merci d'être là en tout cas. C'est une belle Alors, question. Si j'aurais pas fait. tu réponds à Alexis? Ah, je sais pas ce que j'aurais fait, vraiment. Moi, j'aurais continué à te taper, Alexis. Hein. Il y a Fatia, je crois qu'elle nous incite à arrêter. Fatia, comment ça, il se fait tard? Tu veux dire pour Mustapha ou ça, ouais, je pense qu'elle dit ça pour toi, peut-être. Ouais. Elle doit savoir que tu te couches Ouais, tôt, non? c'est sûr. Tu la connais? Ouais, elle est d'Aulnay aussi, elle est du CSL Aulnay. D'accord, ok. Bah déjà, salut Fatia, parce que Fatia aussi, je l'ai déjà croisée On la quelques fois. salue, hein. Salut, Fatia. Ouais, on la salue, on la salue. Grande boxeuse, on est d'accord? Ah, bien sûr. Big palmarès. Très très gros palmarès, bien sûr. Yes. Ouais, Big Palmarès, ouais. Du coup, bah écoute, bah, je lui fais un petit coucou d'abord sur. Elle a partagé ta story Oh sur. ouais, j'ai vu ça, c'est très très Ouais, gentil, bien sûr. elle assure, elle assure. Elle a Du pris le coup, temps de faire ça. Hein. ouais, du coup, je lui ai fait Il y en un a petit beaucoup coucou. qui ont partagé, il y en a énormément, je les remercie tous Ouais. d'ailleurs. Merci à tout le monde. On en est à combien là? Ouais, parce qu'en fait, je crois que sur Instagram, des fois, t'es limité. Bon, c'est pas grave. D'abord, dans tous les cas, sur YouTube et sur Facebook, ça tourne toujours en live. Peut-être que sur Instagram, Oui, bien sûr. ça s'est arrêté, mais bon, parce que je crois qu'il y a une limite. Ouais. D'accord. Espérant que Tony soit notre premier champion poids lourd. Alors, tiens, bah, puisque Yannick qui balance le sujet, bah ouais, vas-y. Qu'est-ce que tu. Attention. Par contre, vas-y. Hein, on va pas me mettre dans les embrouilles, hein, Mustapha. Qu'est-ce que tu penses? Non, 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 mais d'abord, tu dis ce que tu penses. Qu'est-ce que tu penses de Tony Yoka, du coup, ouais? Bah, Tony. Je te préviens juste que Non, non, non. tu boxes avec son petit frère. Non, non, t'inquiète Non, pas. ouais, qu'est-ce que tu penses de Tony Yoka? Non, Tony Oka, c'est un bon boxeur. Ouais. C'est un bon boxeur. Après, je pense qu'il fera son chemin doucement, doucement pour faire peut-être un championnat du monde. J'espère. J'espère pour lui, surtout. Après, il D'accord. fera son chemin avec ses managers, son promoteur. Il fera ça. Tu suis un peu? Ouais, pas trop. Je suis pas trop la boxe. Mais ouais, je les suis un peu. Ouais. Je regarde tous leurs combats. D'accord, ok. Après, je suis pas trop D'accord. l'actualité. D'accord, ok. Non, non. Mais j'étais. Bon, mais ok, c'est cool. C'est cool tout ça. Bon, tu vois que sur le chat, ça s'arrête pas. ce sera notre premier champion. Je vois que sur le chat, ça s'arrête pas. Écoute, on est pas mal. On va parce que, attention, Mustapha. Dis-moi, au fait, tu te lèves demain ou pas? Non, t'inquiète pas. Ah, il n'y a pas marché. Ah, on a choisi Ouais, c'est un. pour ça que. Ouais, bien Bien sûr. joué, bien joué. Je ne sais même plus si je t'avais posé la question et tout. Donc, ok, Non, bien joué, t'inquiète bien joué. pas. Alors, on va faire un peu rigoler les gens là sur tes. Attends, moi aussi je le chatte en même temps. Ça qui est frais aujourd'hui. Ah, ouais, il faut quand même répondre. C'est normal, il faut répondre. Ils sont là au chat. Tu penses être le meilleur 75 kilos en France? Bien sûr. Alors, je sais pas si il veut dire en ce moment ou est-ce que tu penses devenir le meilleur? Ah non, non, c'est marqué merde, j'ai pas lu jusqu'au bout. Ouais, aujourd'hui. Tu penses être le meilleur? Oui, je pense être le meilleur et il manque plus qu'à le prouver. Ouais, j'adore Mustapha. Franchement, vous êtes trop fort, quoi. Vous êtes là, il n'y a pas de doute. Les gars, ils sont là, ils sont présents. Ok, Bien ok. sûr. Alors, bon, je sais que le championnat d'Île-de-France, il est costaud, donc voilà. Bien Mais sûr. je crois qu'il y a d'autres régions qui sont pas mal aussi, non? Bien sûr. Et s'il y a des Et gars-là, je refuserai pas de boxer, même les meilleurs.
D'accord, ok. Et du coup, justement, tu suis un peu les autres régions? Parce qu'en fin de compte, toi, tu es champion d'Île-de-France. Du coup, j'imagine que le champion, je ne sais pas si c'est PACA ou Rhône-Alpes, je sais pas. Voilà, c'est des gens que tu peux rencontrer, quoi. Ouais, je les suis pas trop. Tu suis pas trop? Faut que je les boxe pour les suivre. Moi, je suis un petit D'accord, fouineur. Moi. Quand je sais d'accord, que je vais boxer d'accord. quelqu'un, Voilà, c'est là que tu vas chercher. C'est ça, voilà. Bon, ok, d'accord, ok. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a des combats qui sont médiatisés, d'autres combats qui sont pas médiatisés. C'est ça, exactement. Je vais pas lancer la polémique ici, mais c'est vrai qu'on m'avait fait une réflexion une fois à Pouché, et je peux comprendre. En plus, c'est un gros club de l'Île-de-France, c'est un très bon club, qui nous avait dit, ouais, putain, ce qui est chiant, c'est que les autres, on sait pas ce qu'ils ont fait, alors que nous, nos boxeurs en Île-de-France, ben, tout le monde va voir. En gros, comment ils boxent, parce que tu vois, puisque comme je vous filme et tout, etc. Mais voilà, Ah ouais. après, je pense que ça dépend aussi de. Tu vois, je pense que franchement, la boxe amateur, même la boxe pro, mais bon, la boxe amateur, que ce soit nous, MTP Boxing, ou que ce soit d'autres, je trouve ça super C'est bien ça. de vous donner de la visibilité, etc. Bien sûr que Exactement. tout le monde n'est pas. Ben ouais, celui qui va faire ses combats et personne ne l'a filmé, personne ne sait comment il boxe, bah peut-être qu'il aura sûrement un avantage et tout, etc. Mais t'imagines, je pense que mieux vaut réfléchir dans le bon sens pour tout le monde, tu vois, et filmer les Bien gens, sûr. et puis même pour vous, tu vois, je trouve ça génial, comme disaient vos coachs et tout, on nous dit, mais franchement, c'est Bien génial, sûr. ça fait des Ça fait souvenirs, plaisir. bien sûr, ça fait plaisir, je trouve que Moi, quand c'est. j'ai vu ça, personnellement, j'étais bien content. Ah, mais tu vois, donc Ah oui, voilà ah, quoi, j'étais tu très vois. content. Ah, bah tu vois, ça fait C'est plaisir. vraiment un bon truc. Bon, bah Il faut c'est pas cool. arrêter, hein. Bah écoute, bah, c'est très bien. Alors, Mustapha Zaouche, futur champion du monde et futur champion olympique, lance un message comment dire, aux instances de la boxe. Non, je ne vais pas préciser qui, hein, juste aux instances de la boxe. Il faut prendre MTP Boxing et continuer à filmer. Non, non, je dis ça en Bien sûr. plaisantant. Je pense Faut que ça soit que. médiatisé. Ouais, Faut que ça non, mais soit là. partout. Les gens réalisent, que ce soit le CIF, que ce soit même franchement, on a été appelé par la FFBox Ah, c'est bien pour ça. faire des choses. On a été bah, du coup appelé bien sûr par le CIF plusieurs fois, par des galas. Donc non, non, les gens réalisent, hein, il n'y a pas de souci. Hein, voilà, Bien sûr. En plus, c'est j'espère bien juste que filmé. voilà, on espère que les événements vont reprendre et que on se retrouvera de nouveau à côté de vous quoi. Donc ça va être Ah bah sympa je quoi. l'espère. Ça va être sympa, ça va être sympa. Voilà, bon bah écoute, ouais, il y en a qui disent que l'Île-de-France c'est les meilleurs. Ok, ça va faire plaisir aux autres. Ah, c'est Fatia. Bon, ça va, Fatia c'est du lourd. Donc si quelqu'un veut venir lui chercher des noises, ça va. Mais bon, Fatia quand même, oh. Quand Yo. je t'inviterai, on verra si tu rediras ça. Alors, il nous reste une dernière rubrique, Mustapha. Non, vas-y, hein, n'hésite Ouais. pas à me couper la parole. Tu sais, on m'a dit Kamel, c'est sympa ce que tu fais, c'est bien, mais tu parles trop. On m'a dit ça, je te jure. Je te jure, on m'a Mais dit moi ça. j'ai un problème, je coupe la moi j'ai un problème, je coupe la parole à tout Mais le monde, coupe, mais on coupe, fait mec, le coupe, coupe. Mais t'as vu, t'arrives pas avec moi. Non, j'avoue, je parle trop. C'est un truc de ouf, quoi. J'ai soif, là, je te jure, j'ai trop soif. Non, c'est moi, je blague. Je pense que tout le monde a envie de connaître la dernière rubrique. Ils veulent tout savoir. Ils veulent tout savoir. Quel film tu regardes en fait dans tes films, c'est Ah. la rubrique Ma TV Pro, MTP Ah, Boxing. mon père, il va être content Alors là. vas-y, on va faire plaisir à papa. C'est quoi tes films préférés quoi dans le genre sport de combat bien sûr. Bruce Lee, la fureur du dragon. Bah Ah, bah oui. voilà. Ah, je voulais prendre un petit nunchaku. T'as pas un nunchaku sur toi? T'as pas un truc là pour nous faire rêver là, nous Non, montrer mais quelques. j'ai un petit J'ai bâton, si tu veux. un petit crayon à papier, le mec il se bat avec ça. Ouais, du coup, attends, je check juste. Ouais, non, non, c'est bon, ça tourne toujours le. Ouais, c'est bon, je vois même l'affiche à l'antenne et je vois même ma tête. Ouais, ça fait bizarre. Du coup, Bruce Lee, la fureur du dragon, c'est Ah, quoi? Bruce C'est Lee, rien à dire. pour toi, attends, ma main elle est là. Pour toi, c'est le top. Plus haut. Encore plus haut. Tu les. Bruce Lee, pour moi, c'est le... Tu les as tous vus? Excuse-moi. Ouais, tous. Pas qu'une fois. Ah, on est d'accord. Ah oui. Ouais, pareil. Ouais, pareil. Et genre, quand t'étais petit, tu descendais dehors, tu poussais des cris bizarres, toi aussi, là. Bah Voilà! oui, j'essayais surtout sur les autres. Ah, c'est pas bien, c'est pas bien. Ah ouais, bah Alexis. Ah oui, Alexis, c'est ça? Il l'a dit tout à Ça l'heure. marche, hein. Ah, putain, pauvre Alexis, quoi. Oh là là. Alexis, je l'inviterai juste pour qu'il puisse un peu se plaindre de toi, tu vois. Je l'inviterai. Je dirais, ouais. Je dirais, alors, Mustapha? Ben, Mustapha,
Il est pas si sympa que ça, je te jure. Ok. Et t'en as un deuxième ou pas? Quoi? Alors, un deuxième. On a compris, c'est toute la série Bruce Lee. Toute la série Bruce Lee. Et Ouais. est-ce que t'as autre chose? Et après, j'avais regardé le film d'histoire de Roberto Duran, si je ne me trompe pas, bien sûr. Ouais, mais j'ai envie que tu dises le titre. C'était Main de pierre. C'est quoi? Comment t'as dit? T'as dit quoi? Main de pierre. Ouais, tu sais quoi? Eh, Main de... franchement, eh, dis-le en espagnol, quoi. Eh, main de pierre, je sais pas, ça fait chelou, quoi. On dirait un truc genre à 4 fantastiques ou j'en sais rien. Manos de Piedra. Très, Manos de très, piedra. très bon film. Alors que je dise pas de Très très bon film, ouais. bêtises, que je dise pas de bêtises. Qui c'est qui m'en a parlé en premier? Si je dis pas de bêtises, c'est Hakim Ben Tayeb qui m'en a parlé. Hakim Ben Boxing, qui m'a dit très bon film. Il me l'a conseillé, je l'ai pas vu encore. Donc je dis très bon film parce qu'on m'a dit que c'était un très bon film. Mais il faut que j'aille le voir. Ouais, ça va, il était pas mal. Ça raconte ça, son histoire, quoi. Ouais. Ok. Il a... Bon, après, je vais pas spoiler les gens. Non, 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 mais surtout, je t'ai dit, je l'ai pas vu, mec. Commence pas, là, je t'ai dit, attention, À la fin, il meurt. hein. Ah là là, je te jure, hein, voilà, c'était Mustapha. À la fin, il meurt, allez, hop. Je vais remettre encore un peu. J'allais dire, je vais remettre encore un peu le chat. Donc, t'as vu, comme, voilà, hop. Oui, bien sûr. Je vais remettre encore un peu le chat pour voir ton jeu vidéo préféré. Ouais, je Mon lis jeu là. vidéo préféré, moi, je ne joue pas trop aux jeux vidéo, moi. Hein. Pas le temps, j'espère. Mais je dirais UFC 2009. Je me suis Ah arrêté là. ouais, quand même, ça joue un peu. UFC 2009. Il était bien. Il était J'aime bien. bien. Je suis un Bon ancien. ben. Bon, ok, impec, impec. Je suis en train de regarder. Ouais, tu sais quoi? En fait, je suis en train de regarder l'heure. Ça fait 1h30, mec, qu'on est sur l'émission. Tu sais Ouais. que c'est trop fort parce qu'en fin de compte, Hakim, donc pas l'avant-dernier, mais celui d'avant. Je lui avais dit, putain, Hakim, t'abuses, quoi, sérieux, 1h20 d'émission, mec, t'arrêtes pas de parler, c'est pas possible. J'ai dit, attends, oh, putain, chance que l'internet, c'est quoi, c'est gratuit. Chance que c'est intégré dans un forfait, hein, que c'est pas à la minute. Hein. Et après, on a eu Christopher. Christopher, bam, il a battu le record d'Hakim, sans pitié. 1h30 et quelques. 1h36, je crois. Et là, toi, si je dis pas de bêtises, on en est à 1h32. On en est à 1h30 là 1h32. déjà, oui. Ouais, 1h32. Donc, ça veut dire que. C'est possible que ce soit Christopher qui garde le record. Donc voilà, on va finir sur le chat. Mustapha, j'ai envie de te dire, pendant que tu regardes un peu les messages, mais vraiment, merci à toi. Vraiment, voilà, t'es un Merci mec. à toi surtout. Non, Ouais, merci non, beaucoup mais à toi. t'inquiète. Ça fait Mais, plaisir. bah ouais, voilà, c'est bon, écoute, moi, ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai envoyé des messages à quelques boxeurs. Je sais pas si il y a des boxeurs qui nous regardent à qui j'ai envoyé des messages. Les gars, les filles. Voilà, je vous ai dit, je vais vous appeler, je vous appelle, il n'y a pas de souci. Et puis il y en a d'autres à qui je vais envoyer des messages. Donc voilà, c'est juste que voilà, faut toujours tout organiser et tout, etc. Mais Bien sûr. j'ai du monde en attente. Ouais, ça va venir. Donc merci à toi, mec, parce que vraiment, t'es un gars super sympa. Merci à toi, ça fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de préparer l'émission avec toi. Voilà, ça va, on est resté spontané et tout. Non, Bien c'est bien. sûr. Je passe un C'est très bien. bon moment en tout cas. C'est bien. Du coup, j'ai fait un peu moins de boulettes que avec le pauvre Christopher. Christopher m'avait envoyé tellement de choses que je me suis un peu mêlé les pinceaux. Et il m'a dit, mec, tu sais quoi? Il m'a donné une petite technique pour gérer le truc. Bon, Christopher, fallait me donner la technique pour toi. Tu me l'as donné pour Avant. Mustapha. Ouais. Tu me l'as donné pour Mustapha. Merci, merci. Non, non, mais voilà. Merci Christopher. Ouais, merci Christopher, c'est clair. Ouais. En tout cas, ouais, merci à toi Mustapha. J'ai envie de dire merci à tous ceux qui sont là sur le chat. Là, franchement, Bien sûr. c'est super. Cool parce que vous avez donné vraiment de la vie au live. C'est ça ma force. Ma force cachée. Ouais, Alexis veut pas lâcher l'affaire. Hein. Rocky, tu kiffes. Pas Faisons. regarder de Rocky, Alexis. Alexis veut, il veut, il veut, il veut, il veut, il veut qu'on fasse 2 heures. Ouais, Alexis, mec, on est fatigué nous, hein, tu sais. Hein. C'est quand tu te mets coach. Bon, on va d'abord le laisser devenir. On va Bah le ouais, laissez-moi laisser. finir ma carrière Ouais, déjà. voilà, on va le laisser, voilà, tu vois. Ouais, du coup, voilà, merci à tous, c'était vraiment bien. Bon, on s'améliore petit à petit, hein, voilà, et voilà, en fait, le concept, il est simple. On invite un boxeur, et c'est le boxeur qui nous raconte son parcours, qui nous raconte sa vie. Mustapha, t'as fait ça de manière grandiose, franchement. Merci beaucoup, ça fait plaisir, c'est gentil. C'est à l'unanimité, décision à l'unanimité, hein, voilà. Merci à tout le monde aussi, tous ceux qui sont là pour nous suivre, c'est grâce à eux, hein. Ouais, voilà, bon, je dis C'est à tout le grâce à monde eux tout ça, que. merci beaucoup.
Voilà, on va arrêter le live dans pas longtemps, donc allez-y, hein, c'est les dernières vannes, vous pouvez y aller. Allez, Alexis, lâche-toi. Mustapha, j'imagine que bah, je vais te laisser un peu. J'espère que j'ai rien oublié de tout ce que tu m'envoyais, mais je pense que c'était bon. Je pense qu'on était bien là, Non, non, franchement. non, 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 on a fait le tour. Quasiment fait un sans faute, je pense, donc c'était pas mal. Je te laisse, on attend les beignets gratuits. Y a Rooney, il n'a pas Je vous perdu le attends, et moi nord. je Hein. vous attends vous. Voilà, exactement. Si t'en veux un gratuit, Rooney, faut en acheter un, d'accord? On a dit le Avec le code, code c'est promo avec le code promo MTP MTP Boxing, Boxing. mec. Mais il faut en acheter Il quand faut être même, parce abonné. qu'il faut être abonné. Non, mais il faut quand même que aussi la société Mustapha Zaouche, quoi, Zaouche, elle tourne. Hein, on va pas donner des beignets à tout le monde. Hein. Changement d'industrie. Svenjman Industry, Svenjman Industry. C'est bon ça. Svenjman Industry. Et du coup, ouais, je vais te laisser bah, conclure. J'imagine que tu as plein de remerciements. Bah, Bien sûr. déjà, rien que le fait que tu me dises qu'au Maroc, là, ils sont connectés, Ah, là, tous autour de la table. ça fait plaisir. Bon, vas-y, je vais te laisser un peu, voilà, faire un petit tour de table. Déjà, je voulais remercier ma famille. Merci à ma mère, mon père, mes frères, qui sont toujours là pour me soutenir. Ils sont tout le temps avec moi chez moi. Ils sont vraiment là pour me soutenir à la maison. Ils sont allés avec moi au combat. Ils sont vraiment avec moi partout. Ils me suivent partout. Et aussi à mes amis, à mes proches et aux entraîneurs. Merci à Alim, Nasser, Jacques et Mohamed Amlad, bien sûr, sans les oublier. Et merci beaucoup à Younit. Merci Younit pour tes sparring. Merci à Djibril. Petit big up à Djibril. Il m'a demandé de lui faire une dédicace. À Loulmi aussi. T'as vu, Djibril, il veut un combat contre Allez, toi, allez, allez, là. Abdel. Je sais pas si c'est le même Djibril. C'est de lui dont tu parles? Ouais, bien sûr, c'est lui. Ok. Non, c'est fa... il est facile, lui, il est facile. Djibril, champion d'Île-de-France aussi. Hein. Ben voilà, donc pas si Champion facile. d'Île-de-France. Ouais, Ouais, bien pas si sûr. facile. Que des champions. Que des champions, ouais. Mais vraiment, vraiment un gros, mec, gros, gros, gros merci à ma famille surtout. Vraiment, vraiment ma famille, ça fait, c'est vraiment. J'ai même pas les mots. C'est beau ça. Shukran Shukran. Il y a toute la famille qui sont là pour me suivre. Bon, ben impeccable. Impeccable, je pense que le message est passé. J'imagine que derrière ça doit parler, donc je dis juste à tout le monde, on vous entend Bien pas. sûr. On vous entend pas. Non, sur le chat. Donc voilà, c'est là, c'est en rediffusion. Mustapha, tu pourras te faire plaisir, regarder ça. Bien sûr. Et encore une fois, merci à toi. Je vais du Merci à coup, toi. bah, moi je t'en prie, hein, ça m'a vraiment fait plaisir. Je vais du coup vous donner rendez-vous. J'ai pas de date parce que voilà, ça va dépendre un peu des. J'attends les retours des boxeurs. J'ai déjà, Intéressant. des retours, j'ai déjà des attentes, mais voilà, on attend de mettre ça en place. Mais voilà, on essaie de garder au moins un rythme, au minimum une fois par semaine. Donc voilà, et puis quand je peux, j'essaie d'en placer deux. On avait fait ça dimanche dernier avec Christopher. Et bon, bah là, je C'est dis ça. avec Mustapha. Donc ouais, on va essayer d'en replacer un prochainement. Bon, voilà, On allez. attend ça avec impatience. Ouais, bah écoute, hein, bah, je sais que tu seras là, que tu vas suivre. Ah, par contre, tu sais Bien que sûr. en général, je fais toujours à 21h30 parce qu'on m'a conseillé C'est cet pas horaire. grave. On m'a conseillé cet horaire. Mais du coup, je sais que toi, tu te couches tôt. Donc, tu sais quoi, Ouais, c'est ça. On essaiera de se caler peut-être sur un jour où on sait que tu bosses pas le lendemain. Bien sûr. Donc Avec plaisir. De toute façon, je serai là. s'il y a des mecs qui me disent ouais, moi je préfère tel jour, je suis attends, faut que j'appelle d'abord Mustapha. Et ils vont me dire attends, je comprends pas, c'est quoi le délire? C'est moi qui suis interviewé, je fais, mais Faut bon. l'avis de Mustapha d'abord. Attends, Mustapha, il nous ramène trop de monde sur le chat, quoi. Bon, enfin. Bon, bah allez, vas-y, là. Attends, on en est à combien? C'était juste histoire de battre Christopher. Christopher, on t'a battu, je crois. Attends, bouge pas, laisse-moi juste vérifier. On t'a battu, Non, je Christopher. pense pas. Une 39. Il a Sérieux? fait une 36. On t'a battu, Christopher, mec. Va falloir que tu reviennes te rebattre. Non, non, mais voilà. Mustapha, encore merci pour tout. Merci à toi. Voilà, écoute, je te souhaite le meilleur pour la suite. Les challenges à venir, ils vont être costauds. On n'a pas trop Bien parlé sûr. du confinement, voilà, de tout le bazar qui en ce moment avec toutes les restrictions qui font que c'est difficile pour tout le monde. Donc on s'imagine que pour les athlètes, voilà, c'est compliqué. Mais tu as de la chance d'être C'est ça. bah, Je ton suis bien club, entouré. voilà, tu es bien Bien entouré, sûr. tu es Pour à le l'in. CSL Aulnay, bien sûr. Voilà, CSL Aulnay, t'as l'INSEP aussi, donc voilà, donc tu gardes Exactement. un rythme soutenu. Donc voilà, Bien sûr. lâche rien et ouais, comme on dit, le travail Merci se beaucoup, finit c'est toujours très par gentil, payer. hein.
Et voilà, on te le souhaite. Nous, ça nous fera plaisir. Ça nous fera plaisir parce que Merci beaucoup. si tu viens, genre champion olympique. Ah, elle a perdu la caméra. Ça fait J'espère. S. Hey, Moustapha, Ouais. ça fait 3 fois que tu coupes ta caméra. Mais moi, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mon Bon. économie d'énergie, j'ai C'est dû pas en grave, faire une. on réglera le truc. On réglera. Non, comme ça, si tu viens un jour champion olympique, tu vois, il y a Canal+, il y a tout le monde qui va vouloir t'interviewer. Je suis fait, excusez-moi, poussez-vous. Bien sûr, Pardon, j'espère. pardon, pardon, poussez-vous, pardon, Décalé. pardon. Et là, Sur dire, Instagram, mais désolé. ils vont dire, c'est qui lui? Bah, c'est un TP Boxing, hein, mec. Hein. Moustapha, on le connaît. Non, je te souhaite le meilleur. Je vais dire Merci bonsoir à tout beaucoup, le toi monde. aussi. Et puis à bientôt, Moustapha. Merci beaucoup, à la prochaine. Bon, ok, À très d'accord. vite. Ouais, à très vite. À très vite. Allez. Allez, j'ai envoyé le Bonne soirée, tout générique. le monde. C'est parti. Ciao. Ciao. The drum. Savage.